fermé, moi. Oh, attention, je crois qu'on est, on est en ligne. On est en ligne. On ne peut plus dire de conneries. Tu crois vraiment que tous ces gens sont venus pour nous cet après-midi? Non. Bon. Il y avait de la lumière, c'était chauffé. Ça. Les fauteuils étaient confortables, c'était l'heure de la sieste. Java Full Throttle, ouais, Rémi, à toi. Ah bon? Oui. Ouais. Non, mais je pense que c'est mieux si l'audience participe. Est-ce que ça va? J'ai rien entendu. Ouais, hein. C'est mou. Hein. T'as gueulé beaucoup plus fort qu'eux, alors que t'es tout seul. Hein. On le refait encore une fois? Est-ce que ça va? Ah! Ah, ça y est, on est réveillé aussi. Exact. Full Throttle, pourquoi Full Throttle déjà? Oh, parce que le titre est sympa. Ouais. Parce que le visuel est sympa aussi, non? Le visuel est sympa aussi. Il y en a à qui ça rappelle quelque chose, ça? Il y a des vieux. Ouais. Il y a des vieux dans la salle. C'est sorti la même année que Java, hein, pour la petite histoire. Hein, 95. Voilà. Et pour... C'est là où les gens ils râlaient parce que Windows 95, ça prenait 16 mégas, ce qui était beaucoup trop. Ok. Et Full Throttle parce qu'on va parler de... Alors Java Full Throttle parce qu'on va parler de Java. Et Full Throttle parce qu'on appuie sur l'accélérateur. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les releases de Java sortent un poil plus vite. Ouais. Sans compromis sur le contenu, parce qu'en plus, on a l'impression aussi, enfin c'est plus qu'une impression, que l'ensemble des projets qui participent au JDK à la fois se multiplient et avancent également... à bon rythme. Ouais, bah il y a pas mal de projets qui ont démarré il y a 4 ou 5 ans, donc il faut bien qu'ils produisent quelque chose en même temps, à force. Ok. On peut y aller donc? On peut y aller. D'accord. Donc lui là-bas, c'est... Rémi. Ok. Et effectivement, de l'autre côté, mon sparring partner, c'est José. Donc Rémi a pris la couleur violette pour les classes et moi j'ai pris la couleur verte, c'est la couleur des commentaires. Alors on bosse pas chez Oracle, mais on était assez jaloux quand même, hein, des gens qui travaillent chez Oracle, ont la possibilité de dire au début de chaque présentation, tout ce qu'on vous raconte c'est des âneries, c'est des bêtises, n'écoutez rien de ce que vous dites. Et puis malgré tout quand même, quand Brian Goss fait un amphi, en général l'amphi il est plein à craquer. Pareil pour Mark Reynolds, donc même s'il dit ça, les gens viennent quand même. Cela dit, tout ce qu'on va dire, c'est quand même assez prospectif. Ça concerne le futur de Java. Donc il y a encore des choses qui sont largement en développement, qui ne sont pas encore finalisées, donc qui sont susceptibles de changer, sachant que ce qu'on va montrer pour la version 11, au moins, là, c'est beaucoup plus stabilisé que le reste. C'est ça, mais donc, ça va plus beaucoup. Après, pour la suite, ça sera des slides. Voilà. C'est des slides, mais des slides qui, quelquefois, peuvent compiler, quoi. Ce qui n'est pas le cas de tous les slides, quand même. C'est vrai. Voilà. Donc, je suis Java champion. Ça veut dire que je fais partie d'une mailing list où il y a plein de gens qui spamment. je fais partie de deux projets open source. Donc, l'OpenJDK, c'est quoi? C'est le projet open source dans lequel tout le monde a le droit de développer Java. Et je fais partie, entre autres, donc, de deux... sous-projet qui s'appelle Amber et Valhalla, dont on va parler principalement. Et historiquement, donc, j'ai fait partie du projet Jigsaw, Lambda et Invoke Dynamic, c'est-à-dire basiquement les trucs qu'il y a eu dans Java 7, Java 8 et Java 9. Et donc pareil, donc moi je suis José, je suis aussi Java champion, donc je participe au spam de cette liste, en fait assez peu, hein, je le subis plus que j'y participe. Et puis j'ai mis quelques liens parce que j'ai un peu de contenu sur le net. Je m'amuse avec Twitter. Si vous n'aimez pas être spammé sur Twitter, vous pouvez me suivre. Vous serez comblés. Je m'occupe de. J'ai plusieurs choses sur GitHub, des projets Java 8 sur open source, Streams Utils et Collectors Utils. Sur mon compte classique GitHub, et puis un autre compte GitHub, github.io, sur lequel je fais des trucs en craftsmanship. Je m'amuse à faire des katas et je les publie là-dessus. Ça m'amuse pas mal. Et puis je me suis créé un lien YouTube sur lequel j'essaie de partager les présentations qui m'intéressent le plus, donc Java One, DevOps Belgique, DevOps France un petit peu, DevOps UK, etc. Voilà. Et puis je m'occupe du Paris Jug aussi, et je suis en plus de Java Champion, Java Rockstar.
Ce qui est super pour quelqu'un qui ne sait pas jouer d'aucun instrument. Voilà. Je vous propose d'utiliser ce hashtag si vous avez des questions. Comme on est deux, c'est bien parce que ça permettra de suivre le hashtag en temps réel par rapport à l'évolution de la présentation. Oui, enfin, tu oublies que je ne suis pas sur Twitter, mais à part ça, oui. Oui, enfin, l'essentiel, c'est qu'il y en ait un des deux. Voilà, J11FT, j'ai regardé hier soir, il n'est pas encore utilisé, donc c'est bien parce que quelquefois, on passe des hashtags qui sont déjà utilisés par tout un tas de trucs, donc on n'y arrive pas. Donc celui-là, a priori, il n'est pas utilisé et c'est cool. Et puis alors, on va, juste avant la pause, faire un petit sondage, on ne va pas vous dire sur quoi parce qu'on verra ça pendant la présentation, et on va utiliser une application qui s'appelle Kahoot pour faire ce sondage. Alors si vous avez envie de participer au sondage, c'est cool, il n'y a rien à gagner. Hein. Voilà. Donc, Il y a quand même le moment de gloire d'avoir son nom. Alors moi je peux offrir des places gratuites pour le prochain Paris Jug, mais comme c'est les entrées gratuites, ça ne va pas vous avantager beaucoup. Donc il n'y a rien à gagner, mais si vous avez envie de participer au truc et que vous n'avez pas cette application sur votre téléphone, bah vous avez grosso modo une grosse heure, on va dire 1h15, 1h20, pour prendre cette appli et participer au sondage qui va être magnifique. Sondage qui sera fourni en fait aux gens qui font le JDK, parce qu'on va, ça parlera d'une décision à prendre sur une syntaxe qui est encore en chantier, qui est encore en travail et qui va arriver dans les versions futures de Java. Voilà. Donc Kahoot. Il y a même des gens avec des Windows Phone qui ont réussi à faire marcher Kahoot sur leur téléphone, alors qu'il n'y a pas. Il y a des gens avec des Windows Phone ? Non, bon, j'arrête. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je n'ai pas pris de café, ça va être pour ça. Bon, de quoi on va parler alors ? Donc, le but de ce truc-là, c'est de vous montrer un peu ce qu'il y a derrière, un peu vous donner une idée de un peu pourquoi les choses sont faites. On parlera pas mal de pourquoi. D'accord. L'autre chose, on va commencer par vous rappeler comment Java ça marche aussi, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Pas comment Java ça marche, comment ça, Java s'est développé plutôt. D'accord. Et puis, on montrera un peu de bytecode parce que c'est quand même fun. Sans bytecode, ouais. Ouais, sinon c'est pas drôle. On fera avec les mains, vous inquiétez pas. Bien. Donc premièrement, comment Java est organisé ? En fait, vous pouvez suivre le futur de Java ou les futurs de Java, puisque ça marche de cette façon-là. On a un truc qui s'appelle des JEP pour JDK Announcement Proposal. Ça doit être plus ou moins ça, avec mon accent anglais. Ouais. Donc la JEP 1 vous explique comment ça marche, c'est bien, c'est une JEP qui s'autodéfinit. Et on a tout un tas après de JEP, donc vous pouvez savoir tout un tas de choses sur... donc une JEP, c'est une proposition au départ. Si la proposition est acceptée, ça vous dit dans quel JDK ça sera. D'accord ? Sachant que si c'est pas dans ce JDK-là, ça sera dans celui d'après. Dans ce cas-là, on change la date. D'accord, c'est pas des trucs qui sont fermes tant que c'est pas intégré en fait. D'accord, donc on peut trouver un ensemble de JEP par exemple, celle qui en Java 9 fait que le garbage collector qui s'appelle G1, c'est celui qui va être utilisé par défaut, et la JEP 291 qu'on a derrière qui dit que CMS, plus personne veut bosser dessus. C'est l'ancien garbage collector. Notez pour CMS, c'est assez marrant d'ailleurs. Puisqu'il y a eu un appel à la communauté pour des gens qui voudraient maintenir CMS. Et personne n'a dit qu'ils voulaient maintenir CMS. Ils étaient occupés à patcher leur Windows Phone, probablement. Ou alors, ils ont regardé le code source et ils comprennent la douleur des gens d'avoir maintenu ce truc-là pendant très très longtemps. Donc, on trouve aussi d'autres propositions dont on va discuter, comme par exemple l'inférence des variables locales ou les raw string literals. Je n'ai pas les noms forcément en français. Et on trouve des trucs qui sont même assez importants, comme par exemple la notion de module incubateur. Alors ceux qui commencent par 10 quelque chose, d'accord, c'est des changements qui sont assez profonds dans la plateforme. Donc par exemple le 11, ça vous dit on va avoir des modules qui seront dans le JDK, mais ça ne sera pas une API complètement stabilisée. C'est pour avoir un feedback. Si vous regardez par exemple dans Java 9, on a l'API qui fait tout ce qui est HTTP 2, d'accord, qui est... un module incubateur.
Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un feedback plus rapide, d'accord, et pas passer 120 ans à standardiser quelque chose. La JEP 12 qui vient d'arriver, on va voir la même chose aussi pour le langage. On va voir la notion de feature, de nouveautés dans le langage, qui seront des previews, c'est-à-dire pas des choses où ça sera sous sa forme définitive, mais des choses que vous pouvez déjà tester, d'accord, et faire du feedback. Alors pourquoi on a ce truc-là ? Bah, tout simplement parce qu'il y a un rapport 10 000, voire 100 000, entre les gens qui testent les bêtas et les gens qui utilisent les releases. D'accord ? Donc, on espère qu'en mettant les trucs dans les releases, alors il y a un flag-preview qu'il faudra mettre quand on compile, d'accord, pour dire, bah non, je veux vraiment les previews. Mais voilà, on espère qu'il y aura un peu plus de monde qui vont tester les choses pour avoir plus de feedback. Donc tout ce truc-là, on a un peu un changement de la plateforme Java, ou de la façon dont la plateforme Java est conduite, pour essayer d'avoir des boucles de feedback plus rapides. Donc voilà, on a les JEP. On est passé en monorepo aussi. On a succombé. Ça veut dire qu'on a maintenant un seul truc qui s'appelle le JDK, une seule ligne qui s'appelle le JDK, et qu'en fait, au moment où on va créer une nouvelle version, on va juste forquer ce truc-là, et ça sera Java 9, Java 10. Alors techniquement, c'est pas Java 9, parce que Java 9, c'était encore un truc où on fonctionnait avec la ligne Java 9, enfin JDK 9, et hop, pour créer JDK 10. Mais maintenant, ça marche dans le bon sens, c'est-à-dire on a une mainline JDK, et juste avant de faire la release candidate, on fork pour faire la version JDK 10, par exemple. Autre chose, dans l'OpenJDK, on a un certain nombre de projets, alors on les a pas tous mis, on a mis ceux dont on va parler, c'est-à-dire Amber et Valhalla. Amber et Valhalla, c'est des projets, ça correspond à des workspaces dans lesquels on a le code. Ah, notez, l'OpenJDK utilise Mercurial. Alors c'est la même chose que Git, mais on pas connu. Mais il y a les mêmes commandes. Donc c'est pareil, c'est des projets qui ont des mailing lists, toutes les discussions sont publiques, même les... Donc pour ces trucs-là, on a des groupes d'experts, les mailing lists pour les groupes d'experts sont publics. Quand on s'engueule, c'est publiquement. Et c'est comme ça qu'on a un ensemble de features en fait, qui sont remontés dans le JDK. Donc, par exemple, sur la branche Amber, on va avoir un certain nombre de features qui sont mis dans le JDK. Alors, quand la feature elle est mise dans le JDK, ça veut dire qu'elle marche. C'est pas on la met dans le JDK pour... juste comme ça. D'accord ? Donc, pareil, si vous voulez discuter implémentation des features, parce que c'est principalement ça, il y a aussi... Alors, il y a deux choses. Il y a la partie expert. Ça veut dire pourquoi il y a ça. Pourquoi il y a telle décision. D'accord ? Et sinon, on a la partie dev, qui là, est vraiment le développement des features. D'accord ? Comment les features sont développés. Donc on a un projet Amber qui correspond basiquement plutôt au compilateur, et on a la partie Valhalla qui correspond plus ou moins à la machine virtuelle. Techniquement, c'est un poil plus compliqué que ça, mais ça résume assez bien la façon dont ça marche. Et donc effectivement, l'idée... Alors là, le dessin est faux, parce que ça n'a pas marché pour le JDK 9, mais techniquement, l'idée, c'est quand on veut faire une nouvelle release, donc par exemple pour le JDK 10, c'est ce qui s'est passé, directement, d'accord, on crée un fork et hop, on release les choses. Une fois qu'il y a la release qui est faite, on abandonne la branche d'avant. C'est-à-dire quand on fait la release du JDK 10, il n'y a plus de développement qui est fait sur le JDK 9. D'accord ? On a normalement des cycles de release qui sont tous les 6 mois, soit en septembre, soit en mars. Donc par exemple, le JDK 9, c'était septembre 2017. Ouais. Le JDK 10, c'est mars 2018. Le JDK 11 est prévu pour septembre 2018. Mais il y a un truc particulier pour le JDK 11. Le JDK 11, c'est une long-term stable.
D'accord, les LTS, un peu comme les distribs. Notez, le modèle ressemble énormément aux distribs qu'on peut trouver avec, enfin, quand on a Linux et les différentes distribs. C'est exactement la même façon de fonctionner. Ça a été honteusement repompé. Et le JDK 11, c'est une longue terme stable. Ça veut dire que même quand on a le JDK 12 qui va arriver, le JDK 11 restera supporté. Alors là, on parle de l'Open JDK. Je ne parle pas du JDK d'Oracle, de celui de Red Hat, tout ce genre de choses-là. Là, on est bien au niveau de l'Open JDK. D'accord ? C'est-à-dire, en termes de développement, où se produisent les choses. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. On a des releases tous les 6 mois. Or, pour l'instant, on n'en a fait qu'une, donc on n'a pas dévié. Chouette. Techniquement, il y a déjà une feature qui devait être dans le JDK 10 qui a été mis dans le JDK 11, en disant oh, on n'a pas le temps de le faire, donc ça sera dans le prochain truc. D'accord, c'est basiquement l'idée. On a des releases qui sont cadencées. Si une feature ne peut pas aller dans un truc, il va dans celui d'après. Et donc, si vous regardez, Java 9 n'est pas une LTS. Ça ne sert à rien de migrer à Java 9, c'est ça que je suis en train de vous dire. D'accord. Si vous voulez migrer, c'est Java 11, en fait. L'idée, c'est quoi? Bah, c'est un peu la même idée. C'est en fait, quand on regarde, on a deux sortes de gens. On a les gens qui contrôlent complètement leur environnement. Si vous contrôlez complètement votre environnement, par exemple, vous déployez en utilisant Docker ou ce genre de choses-là, d'accord? Vous contrôlez complètement votre environnement, vous pouvez choisir la release que vous voulez, pourvu que vous passiez, bah, quand Java 9 est fini, à Java 10. D'accord? Sachant que, comme c'est des releases tous les 6 mois, en termes de changement, il y a beaucoup moins de changements. D'accord? Donc ça, c'est le modèle, on va dire, si vous déployez sur le cloud. De toute façon, si vous déployez sur le cloud, il faut mettre à jour vos trucs assez, enfin, on va dire régulièrement, sinon vous avez des gros problèmes de sécurité, de toute façon. L'autre type de développement, bah, c'est le développement classique de Java avec des grosses releases, et ça, c'est les LTS. Donc la LTS actuelle, c'est Java 8. La prochaine, c'est Java 11. D'accord? Où là, on a des grosses montées de versions. Notez qu'en termes de features, il n'y aura pas forcément des features qui vont être délayées pour une ELTS ou après une ELTS. Non, on s'en fout. Une ELTS, c'est juste un truc qui sera supporté plus longtemps. C'est juste ce que ça veut dire. Long term stable. D'accord? Pas plus que ça. Dernière chose, on a un truc qui s'appelle le JCP. Le JCP, c'est le truc qui donne le coup de tampon en disant « ça, vous avez le droit de l'appeler Java ». D'accord? Ça n'a rien à voir avec Oracle, si ce n'est que ils ont quand même il y a deux sièges réservés aux boarding members pour Oracle. Mais sinon, chaque version de Java, donc la version S10, S11, d'accord, sont des vraies versions de Java, ce n'est pas des previews. En ça, elles sont certifiées comme étant Java 10, comme étant Java 11. D'accord? On a exactement les mêmes temps de test. Si vous regardez, hein, pour le JDK, pour toutes les plateformes qui sont supportées, on est quasiment à un mois de test. Sans rien faire. D'accord? Si vous regardez d'ailleurs les trucs de stabilisation, au moment entre la release candidate et la finale, c'est basiquement un mois de test. D'accord? 4 semaines, un mois. Donc voilà, la seule différence, c'est effectivement que les releases, elles sont dépendantes du temps et plus dépendantes de la grosse feature qu'on attendait pendant 120 ans. D'accord? Voilà, on est quand même arrivé à Java 9 avec un temps de release qui était de 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Oui. C'est affreux. Enfin, moi, personnellement, c'était affreux parce que je voulais rajouter une feature dans Java 8 qui n'a pas pu apparaître dans Java 8. L'API pour de Stackwalking, pour pouvoir se balader dans les stack traces. D'accord? Cette API-là, elle est presque prête pour Java 8. On a un petit problème de perf. Elle a été décalée à Java 9. Et donc, dans la bêta 12 de Java 9, elle était là. Mais pour pouvoir l'utiliser, bah, il faut attendre 3 ans et demi. D'accord? Donc, c'est pour éviter ce problème-là, permettre aux API d'aller à leur vitesse, permettre aux features
d'aller à leur vitesse et plus être dépendant de gros cycles comme ça. D'un certain côté, ça veut juste dire que Java devient moderne dans son développement au sens 2000. D'accord ? On abandonne le process des années 90 de développement. Donc, c'est ce que je vous disais, toutes les distributions doivent passer le TCK. Le TCK, c'est quoi ? C'est l'ensemble des tests. Si votre implémentation passe l'ensemble des tests, alors elle est considérée comme étant Java. Alors, il y a les tests pour la 9, les tests pour la 10, et ainsi de suite. D'accord ? Les tests, c'est ce qu'on appelle le TCK. Techniquement, si vous regardez, on a plein de gens qui font des releases. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Adopt OpenJDK, mais donc c'est une émanation du London Jug. D'accord ? Eux, ils ont un Jenkins qui tourne et qui build automatiquement tous les trucs. Ils passent le TCK, c'est-à-dire ils vont aussi vérifier qu'ils passent le TCK. En ça, on a le droit d'appeler ça Java et la version qui va bien. Donc ça, c'est pratique, ça permet de récupérer des binaires. On a Azul. Donc pareil, hein, je vous disais, on a des distribs, exactement comme pour Linux, on a Debian, Ubuntu, et ainsi de suite. Donc on a Azul qui fait des distribs. On a IBM qui fait une distribution. Donc on a l'OpenJDK où maintenant il y a des distribs qui sont faites. Je ne sais pas si vous avez vu, vous pouvez aller télécharger les binaires directement au niveau de l'OpenJDK. Comme ça, vous n'avez pas toutes les merdes d'Oracle, en fait. Oracle, notez qu'Oracle, ils ont décidé que les deux gros trucs qui restaient, qui n'étaient pas open source, c'est-à-dire le Mission Control, enfin JMC, et le Flight Recorder, ils allaient les rendre open source. Si vous regardez, vous avez les repositories qui ont déjà été créés. Donc ça veut dire qu'après, dans pas trop longtemps, peut-être pas le JDK là, mais celui d'encore après, il y aura l'OpenJDK et le JDK d'Oracle qui seront exactement similaires. C'est purement commercial, ils ne veulent pas payer des gens pour maintenir les deux. Hein. C'est pas pour nous faire plaisir. Et c'est pareil, Red Hat, c'est aussi une autre distribution. D'accord, vous pouvez avoir vos propres... Alors on a des petites différences entre les distributions. D'accord. Par exemple, Red Hat, ils ont un autre GC que les GC de base. Vous pouvez, si vous utilisez la distribution Red Hat, d'accord, utiliser... Alors, Shenandoah, c'est un GC dans le cas où on a des Tera de RAM. D'accord. Vous aurez des performances pas si excellentes que ça, mais vous n'aurez jamais votre GC qui vous fout la grouille. Parce que ces machines-là, c'est forcément des NUMA, et les GC et NUMA, ça ne marche pas très bien. Enfin, les algos classiques de GC et NUMA, ça ne marche pas très très bien. Donc voilà, pour Oracle, on a actuellement le Mission Control et le Flight Recorder qui sont spécifiques. Pour IBM, eux, ils ont carrément une VM différente, un JIT différent et des GC différents. Mais par contre, toutes les librairies sont exactement les mêmes. D'accord ? Toute la partie Java utile, machin, et ainsi de suite, sont les mêmes. Et pareil, pour Azul, ils ont deux trucs. Donc on a Azul Zulu, qui est la version OpenJDK. C'est la même chose que l'OpenJDK, juste buildé sur les gens d'Azul. Et on a Xing, qui est... alors c'est payant. Et on a un très bon garbage collector qui s'appelle C4. Et un JIT qui est en train de... ils ont fait un JIT, mais qui est un peu bizarre. C'est-à-dire il peut prendre plusieurs minutes à JITer, mais le code, il est vachement bon. Mais il va prendre plusieurs minutes, qui est basé sur LLVM. À toi, José. Pardon, merci. J'ai trop parlé déjà. Java 10, mais non, pas du tout. Java 10. Donc Java 10, en fait, on l'a déjà, puisqu'il est sorti en mars. Il y a des gens qui ont déjà téléchargé Java 10 et qui ont déjà commencé à faire des choses avec ? Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça, quand même un petit peu. Comme vous avez vu sur le schéma tout à l'heure, Java 9, c'est terminé. Il n'y a plus de patchs qui vont être... Ça ne sert à rien d'utiliser la 9, passer à la 10 direct. Là, il faut aller à la 10 direct, puisque c'est là que ça bouge. Et en plus, il y a des nouvelles choses dans la 10 par rapport à la 9. Ah bah tiens, qu'on va voir maintenant d'ailleurs. Ah bah ouais. Démo. Alors, l'avantage d'un truc qui est déjà sorti, c'est qu'on a des IDE. Qui marchent déjà. Qui marchent déjà. C'est plus pratique pour faire. Et ça, c'est vachement bien. Donc vous allez voir, au début, on va avoir des démos et plus ça va, voilà. Moins on aura de démos. Et puis, plus ça va, moins on aura de démos, mais on en aura quand même et il n'y aura plus d'IDE. T'as pas voulu les faire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est du code Java 8, mais c'est pas le code que je veux vous montrer. Ce que je voudrais vous montrer, c'est juste donc, ce truc qui est arrivé. Je vais virer ça, là.
Je vais virer ça. On va juste mettre un return nul. Là, ce que je vais vous montrer, ça se passe juste là-dedans. En fait, j'ai... vous allez dire, enfin, les gens qui viennent de JavaScript vont se dire, c'est pas possible, ils se moquent de nous. Alors en fait, oui. Moi, j'aime bien me moquer des gens qui font du JavaScript. Mais pas pour les raisons qu'ils pensent. Voilà. Donc là, si je veux me créer une liste de strings, bah, jusqu'en Java 8, je suis un petit peu, j'ai un boulet au pied, quoi. Je suis obligé de d'écrire liste de strings et tout ça, c'est pas forcément très pratique. Et bah, à partir, surtout si j'écris strings au lieu de strings, c'est quand même plus joli de m'écrire strings. Et bah, à partir de Java 10, je peux écrire var comme ça. Et vous voyez, il n'y a pas d'erreur de compilation. Cette variable locale, le compilateur sait que c'est une liste de chaînes de caractères. Oh. Ouais, bon. Ah, je pense que tu dois pouvoir lui demander quand même pour vérifier. Je peux même la retourner. Tiens, ça marche plus. Ouais, si tu renvoies une string au lieu d'une liste de strings. Oh, mais oui, mais bon, il chipote un peu là. On pourrait quand même. Voilà. Si jamais comme ça. Là, il est content. Et là, ça tourne plus. Ce truc var, c'est donc un nouveau mot-clé qui est ajouté au langage, qui n'est utilisable en fait que pour les variables locales. Là, j'ai créé des champs. Et vous voyez, si je dis que ça, bah, en fait, c'est un name. Là, j'ai une erreur de compilation parce qu'évidemment, si je ne dis pas au compilateur qu'est-ce que c'est que ce champ, le compilateur, il n'a vraiment aucun élément pour le deviner et il ne va pas voir que ça peut être une string. Donc, je ne peux pas l'utiliser pour les champs. Je ne peux pas l'utiliser pour les paramètres de méthode non plus. Si je lui dis, bah là, ce que tu prends, c'est un index et puis c'est un var, il va pas, Java a besoin de connaître le type de tous les éléments qu'il va compiler précisément à la compilation. Donc là, il ne va pas être content. C'était quoi? C'était un int? Peu importe. Ouais. Mais je peux faire des trucs... Même pour le type de retour, ce n'est pas possible. Oui. Alors que techniquement, c'est faisable. Voilà. Alors pour le type de retour, ça veut dire si je mets var ici? Non, ouais. Ça ne veut rien dire, ça. Bah si, d'accord. Parce que tu pourrais regarder le return et trouver le var. Oui, mais vu l'inférence de type qu'on va voir dans un instant, ça ferait des types de retour un non, petit peu strange. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est surtout quand tu as des méthodes, tu es en train de montrer à ton interface au sens général, ouais. Pas l'interface au sens Java. Et avoir ce truc-là qui change, parce que c'est ce qui se passe avec var, si tu changes l'intérieur, ça va changer le type de retour. Tout à fait. C'est pas forcément quelque chose qu'on veut parce que ça va péter tous les autres programmes qu'appellent après. Bon, après, si c'est vraiment les autres et que c'est d'autres qui les maintiennent, moi, ça m'est égal. Hein, ça. Dire je vais pas, hein, pas. Alors avant j'écrivais ce genre de truc et ma vie était d'une tristesse effroyable. Par exemple new object, voilà. Et puis en fait je voudrais en faire une classe anonyme. Il m'énerve lui à sortir son pop-up menu tout le temps. Voilà. Et puis là-dedans je vais créer par exemple un compteur. Count. Et puis je vais le mettre à zéro. Notez bien je l'ai pas mis final. Hein. Évidemment si je suis à l'extérieur que j'essaie de faire par exemple, o.count, plus, ok, bah là, ça ne compile pas. Pourquoi? Parce que le type du o qui est ici, j'ai plus ma souris, elle est là, le type du o qui est là, bah, c'est object, et évidemment, je n'ai pas de champ public sur object. Mais grâce à l'inférence de type, qui est quand même un objet très sympathique, si je mets var ici, en fait, le compilateur se rend compte que ce machin-là, ce n'est pas un object, mais c'est une instance de la classe anonyme que je viens de créer, qui, elle, possède un champ visible qui s'appelle count. Ouais. Cette classe anonyme, qui n'a pas de nom, c'est pour ça qu'on l'appelle anonyme, à moins que ce soit l'inverse d'ailleurs. Elle existe quand même. Elle existe quand même. Elle existe quand même, et grâce à l'inférence de type, bah, l'inféreur de type, c'est comme ça qu'on dit, hein, va... Le compilateur, ouais. Okay. Va aller chercher cette classe anonyme, sait qu'il y a un champ qui s'appelle count dedans, et donc je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Ce qui est quand même, ce qui est quand même voilà. Donc cool. Var, ça sert aussi à pouvoir représenter des types qu'on ne peut pas représenter en Java, en fait. Ouais, enfin, exactement. Historiquement, qu'on ne pouvait pas représenter en Java. Alors, l'inféreur de type, moi j'aime bien l'inféreur de type, on peut aller voir, là j'ai une invite de commande, ce n'est pas pour me vanter, je suis en Java 10, d'accord, donc la version de Java que vous pouvez télécharger dès ce soir chez vous si vous ne l'avez pas encore fait. L'outil qui vous donne les dates de sortie aussi. Ouais. Ce qui est vachement pratique, 2018, ça permet de savoir si vous utilisez un vieux Java ou un nouveau Java. Tout à fait. Je vais lancer JShell et je vais taper une commande magique qui est set feedback verbose. Donc, grosso modo, je lui dis vas-y, raconte-moi ta vie. Et là, avec ce truc-là, je vais pouvoir faire des choses comme ça. Par exemple, var s égale bonjour. Bon, ça, je sais que c'est une chaîne de caractères, hein, tout va bien. Mais vous voyez, il me dit, j'ai créé une variable s qui s'appelle bonjour et qui est de type string. Et là, c'est cool parce qu'on peut vraiment s'amuser. Par exemple, je peux faire var
list, je vais l'appeler list 1, égale list.off de one. On peut le faire comme ça. Donc ça, c'est bien une liste de strings, super. Mais je pourrais me dire, tiens, je vais rajouter un autre élément dans liste, ouais. One. Ouais, sinon, tu peux remettre la même, il est... Où est-ce qu'il est passé, là, le truc, il est là. Voilà. One, et puis je peux faire virgule 1, par exemple. Et là, il me dit, ah, bah ça, c'est une liste de sérialisables et comparables, de extents sérialisables et comparables de points d'interrogation. Ça, c'est ce que raconte l'inféreur de type, hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas retourner directement ça directement, parce que ce serait ça le type de retour. Ouais, tu peux le faire si ça t'amuse, mais tu peux écrire var. Non, mais je veux dire, si tu retournais ce machin-là et que tu avais le droit de faire l'inférence de type sur le type de retour, c'est ce truc-là qui serait retourné. Mm. Et après, trouver un machin qui matche ça, c'est un petit peu plus délicat. Si, c'est une liste d'un truc qui est sérialisable et comparable avec lui-même. Génial. Je peux faire un truc comme ça, donc là, il est content. C'est une liste d'entiers. Ah, je vais mettre dans 3, non, on s'en fiche. Mais par exemple, si je rajoute un flottant avec, quelqu'un a envie d'essayer de deviner ce que ça va sortir. Vous avez été un peu échaudé avec le truc précédent, vous avez vu. Je vais mettre dans liste 3, comme ça m'évitera de... Voilà. Donc c'est un number et comparable de extend de number et comparable de extend de tout ce qu'on veut. Ce qui est vachement cool. À noter que les numbers ne sont pas comparables, en fait. Non. Aussi étrange que ça puisse paraître. Ah, il y a une bonne raison. Les numbers ne sont pas comparables. Ouais, je sais qu'il y a des bonnes raisons. Mais ce n'est pas forcément intuitif au premier abord. Une classe en Java, elle n'a pas le droit d'implémenter plusieurs interfaces qui ne varient que par le type. On ne peut pas faire classé, implement, comparable de integer et comparable de double. Ouais. On n'a pas le droit de faire ça. Donc tu ne peux pas écrire un truc sur number. C'est bête, hein. Mais je peux faire des trucs vachement plus drôles, hein. Voilà, un dernier exemple. Pour ça, je vais importer Java. Local date, c'est dans Java Time. Java Time. Étoile. Donc je vais importer ça. Et maintenant, je vais avoir le droit de faire une liste comme ça. Avec. C'est local date. Local date.now. Et local time, c'est ça? Date time. Le date time. Juste la date et la date plus le temps. Plus le temps. Et là, ça me donne un truc assez magnifique. Il faut bien le dire. C'est un temporal et sérialisable de comparable de extends de temporal et sérialisable et comparable de extends. Il en manque un bouquet ici. Hein. Vous ne voyez pas tout. Et de temporal adjuster, etc., etc. Donc voilà. Donc évidemment, ce n'est pas le genre de truc. Il vaut mieux un truc automatique pour inférer ce genre de choses. Le var, ça masque en fait une vraie complexité qu'on n'a pas forcément envie d'exposer. Effectivement dans le code. Voire même quand on fait du TDD, je dirais c'est le contraire. Ouais. En TDD, on ne veut pas spécifier quel est le type. On veut juste que les opérations marchent de cette façon-là. Utiliser var pour le TDD, en fait, c'est vachement bien. Ouais, je suis d'accord. Enfin, je l'ai fait qu'une fois pour l'instant, mais j'étais assez content. Tu fais du TDD, toi ? De temps en temps. Enfin, je force mes étudiants à en faire. Alors, il y a des moments quand on fait des var, on ne peut pas mettre n'importe quel type de variable dans un var. Notamment, il y a des occurrences dans le langage dans lesquelles le type d'une variable n'est pas inféré, il est donné en fait par la déclaration de cette variable. Et là, vous voyez, j'ai un magnifique pattern de collector que j'ai chopé dans la presse d'un type qui a fait une présentation sur les collectors l'année dernière à Devox France, je ne sais pas qui trouve. Oui, il paraît que c'était pas terrible. Ouais, enfin bon. Et vous voyez, si je mets un var ici, en fait, j'ai un truc qui ne compile plus. En particulier, le truc là qui est un article, qui est censé faire article.getInceptionYear, bah en fait, pour lui, article c'est juste un object, donc il n'y a pas cette méthode getInceptionYear dessus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le compilateur sait que ce machin là, c'est ce que c'est-à-dire, en l'occurrence, un prédicat. Je vais le mettre dans une variable, voilà, ça c'est mon prédicat. Il sait que c'est un prédicat à cause du type du collector qui est ici article. En fait, le premier type du collector va servir pour inférer que cette lambda, c'est un prédicat d'article. Mais maintenant, si je mets dans une variable, donc si je dis au compilateur, mais ça, c'est un prédicat d'article, et il faut que je fasse la même chose pour le monsieur qui est là, qui est en fait le key extractor du comparateur sur lequel je suis. Je vais aussi le mettre dans une variable. Ça, c'est mon key extractor. Voilà. Si je le fais maintenant, si je remets ça dans un var, là, il est content. Pourquoi ? Parce qu'il connaît le type des deux lambda qui se trouvaient dans le collector.
Et c'était ça le problème qu'il avait. D'une façon générale, en fait, on ne peut pas remplacer ici. Si je veux mettre ce machin-là en tant que var, là, j'ai une erreur de compilation. En fait, le compilateur ne veut pas qu'on type une variable avec le type var quand l'affectation de cette variable est une lambda expression. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le type de la variable qui permet de savoir de quelle lambda est-ce qu'on parle. Donc, si je retire cette information, évidemment, ça va moins bien fonctionner. Voilà. Et puis, c'est pareil aussi pour les méthodes références, puisqu'en fait, une méthode même référence, nul, en fait. C'est une lambda. On ne peut pas mettre var s nul, égale pareil, nul. Ouais, je ne peux pas faire ça. Parce aussi. Que nul, on ne sait pas de quel type c'est. Voilà. Si je fais var s égale nul comme ça, ça ne va pas compiler, donc je vais le retirer. Voilà, c'est pas mal ça pour... Tu veux dire que c'est pas magique, en fait ? Bah en fait, c'est pas magique, ouais, c'est cool. Hein. Enfin, c'est pas cool, mais c'est pas magique. Ok, donc un petit résumé sur ce que je vous ai montré. Donc, on peut utiliser le var en lieu et place de la déclaration du type uniquement des variables locales, pas des champs des méthodes, pas des paramètres et pas des types de retour non plus. Évidemment. C'est pour ça que Kotlin, c'est important. Parce qu'ils l'ont fait en Kotlin et les gens, ils sont pas contents, donc on le fait pas en Java. Ben voilà. Ça, c'est cool. On peut également l'utiliser dans les syntaxes for each. Vous savez, quand on écrit for string s dans une liste de strings, bah là, je peux utiliser var, ce qui est pas mal, ce qui peut alléger l'écriture quand on a des types d'éléments qui sont un peu lourds. Par exemple, si vous faites un map.entryset. C'est déjà suffisant. Entryset, ouais, non, je pensais à stream derrière. C'est déjà des maps d'entry de machin. J'ai pas mal. Je voyais déjà l'exemple suivant. En fait. ça va me faire un map.entry d'un truc imbitable. Bah, là, je mets juste var et puis ça va aller. Surtout si c'est juste pour faire get key et get value dessus. J'ai pas besoin de grand chose de plus. Je peux l'utiliser dans le try with resource aussi. Ça, c'est le pattern qu'il y a après. Et ça, c'est vachement cool. Et puis, ça, c'est l'exemple que je vous ai montré. Le fait de récupérer en fait, le vrai type d'une classe anonyme plutôt que le type object. Ou le type de l'interface ou de la classe qu'on a étendue, qui est un type simplifié. Ok, quelques exemples qui ne marchent pas. Var A, tous ces trucs-là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour les tableaux décrits comme ça non plus. Si je mets un new int, crochet au vent, crochet fermant devant, ça va marcher. Ouais, si je le mets les tableaux, ça, c'est ça un peu bizarre, on a l'impression que c'est censé marcher, mais en fait, le compilateur, il ne sait pas quand il y a écrit 1, si c'est un byte ou un int, par exemple. En fait. C'est pour ça qu'il vous demande de savoir quel est le type. Bon, tellement il peut savoir si c'est un octal. Et puis le list.off, bah en fait, là, il manque le type de la liste pour avoir le vrai type. Alors celui-là, il marche. Il fait un truc bizarre, puisqu'il dit « Oh, je sais pas, ça doit être objet. » Ouais. D'accord. Mais je pourrais lui donner le type entre le point et le off. Là, c'est ça, ouais. Là, je pourrais lui donner le type à cet endroit-là. Si je le fais sur les collectors, ça va marcher tant que j'ai pas de type wildcard dedans. Parce que comme je ne peux pas mettre de wildcard dans la déclaration, je suis obligé de mettre object. Là, ça ne marche plus bien si je le fais comme ça. OK. Globalement, quand est-ce qu'on peut utiliser var ? Quand on en a envie, dans le cadre des endroits où, évidemment, où c'est contraint. Il y a quand même un truc, c'est moi pour l'avoir fait. Donc j'ai pris un projet qui est assez gros et j'ai mis des var partout, en me disant c'est une bonne façon d'apprendre. On en met partout et on voit où ça merde. Un des trucs que j'ai dû faire, c'est quand même changer un certain nombre de variables. Parce que quand on écrit string s, ça va. Mais quand on écrit var s, ça va moins bien, en fait. Donc il y a un certain nombre... si on veut utiliser var, il faut avoir des vrais noms de variables. Tu es en train de dire que tu ne suis pas les règles de clean code quand tu es en train de programmer. Alors c'est ça non, que tu dis, non, mais je ne le montre pas, en fait. Ce n'est pas sur GitHub. Ok. Et donc ça, c'est la nouveauté dont on voulait vous parler pour Java 10. Donc, qui est sorti. Voilà. Donc, c'est le seul truc vieux qu'on va vous montrer. Voilà, c'est le seul truc vieux, c'est-à-dire qu'il a un peu moins d'un mois, quoi. Donc, c'est pas non plus super vieux. Et là, nous allons pouvoir rentrer dans le plan diabolique de domination du monde et parler de Java 11. Ok, var as lambda parameter, de quoi s'agit-il ? Donc, effectivement, maintenant qu'on a var... En fait, il y a toujours eu un problème avec les lambda, qui est on ne peut pas écrire at non nul x avec une lambda. D'accord ? Il n'accepte pas en fait, d'avoir une annotation et d'avoir une annotation ou finale pour les couillons qui aiment bien mettre finale dans les pour les noms de paramètres. Il y en a qui en font partie, là ? Ah oui, quand même. Vous n'avez pas suivi les dernières recommandations de Google ? Google, ils ont envoyé un mail à tout le monde chez Google pour dire arrêtez. Ah, je devais pas le savoir, pardon. Donc,
Donc c'est quelque chose qui va y avoir effectivement dans Java 11, la possibilité de rajouter var à la place du type. Et le fait de pouvoir mettre var fait qu'on peut mettre des annotations, qu'on peut mettre final, en fait qu'on peut mettre tous les modificateurs dont on a l'habitude. D'accord? C'est juste une petite feature. Mais c'est un des intérêts. Donc c'est quelque chose qui est important par contre quand on design des features, qui est d'essayer de voir quand on ajoute une feature comment ça se comporte par rapport à tous les autres. D'accord? Donc historiquement, on avait tendance à dire on essaye de voir tout ce qui est possible, on implémente tout et là on release. D'accord? Maintenant, on essaye de voir tout ce qui est possible. D'accord? Mais par contre, en termes d'implémentation, on se permet d'avoir des trucs qui sont implémentés d'abord et des trucs qui sont implémentés après. Mais ça n'empêche que toutes les réflexions sont faites toujours en amont parce que sinon on va faire des bêtises. Ah oui, j'ai pas oublié. Ça marche pas automatiquement, c'est nul. Faut que tu passes les slides de temps Donc en temps. voilà, c'était le seul changement qu'on a au niveau du langage. Maintenant, ce qu'il va y avoir dans Java 11, la première chose, c'est ce qu'on appelle les nestmates. Alors, c'est quoi? On a un truc un petit peu particulier. Premièrement, est-ce que vous savez que les classes anonymes, elles ont le droit d'accéder aux trucs privés de la classe englobante? D'accord? Un privé en Java, ça veut dire entre l'accolade ouvrante de la classe et l'accolade fermante de la classe. Tout ce qui est défini à l'intérieur, j'ai le droit de le prendre. Donc ici, si je regarde, j'ai une. Bon, j'ai mis du code dans les interfaces parce que c'est fun. Ça permet de réduire le code. Mais donc, j'ai créé une classe anonyme ici avec un new foo machin, qui utilise helper value, et helper value est déclaré comme un champ, comme une méthode privée. D'accord? Techniquement, si je regarde mon compilateur, qu'est-ce qu'il fait? Il génère deux classes. Enfin, il génère une interface et une classe dans ce cas-là. Vous savez, vous avez des classes dollar quelque chose qui apparaissent. Donc ça veut dire que pour la machine virtuelle, techniquement, il y a deux classes différentes. Alors autant en Java, privé, ça veut dire entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante. Autant pour la machine virtuelle, privée, ça veut dire à l'intérieur de la même classe. Donc comment ça marche? Puisque finalement le monde pour le compilateur, le Java, le langage, et le monde pour la machine virtuelle, qu'il a dit à deux classes, comment ça fait pour marcher? Puisque basiquement ma classe interne, elle appelle une méthode privée de ma classe englobante. Ce qui pour la machine virtuelle est complètement interdit. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe? Ouais, il fait un getter. Le compilateur, il génère automatiquement un accesseur. Donc c'est ce qui se passe. Alors il l'appelle pas getter, il l'appelle access $00 parce que c'est un compilateur. Donc on aime bien des noms à la con. Donc dans la classe englobante, il va générer un truc qui va permettre d'accéder à helper value. Alors là, je vous ai donné un exemple qui est assez marrant parce qu'on est à l'intérieur d'une interface. Dans une interface, on n'a le droit qu'aux mots-clés privés ou publics. On n'a pas le droit à d'autres mots-clés. Donc il est obligé de mettre la méthode publique. Oups, je viens de rajouter. Alors c'est une méthode statique, mais bon, rajouter une méthode publique dans une interface, c'est quand même pas génial, génial. Donc c'est le problème qu'on a. L'idée des nestmates, c'est de faire en sorte que la machine virtuelle, elle comprenne les inner classes, ou elle comprenne le scope des inner classes. Donc c'est un changement au niveau de la machine virtuelle qui Attends, permet là de faire ça veut ça. dire qu'on a un problème de sécurité vachement important parce que si je Là, tu rajoute un risques point d'avoir un classe, problème de sécurité, ouais. si je rajoute un point classe fait à la main qui appelle Surtout cette si méthode, ça va marcher? ta méthode elle s'appelle pas helper value, mais un truc du genre check password ou ce genre de choses-là, ou non, peut-être pas check password, mais leak secret credential ou ce genre de choses-là, c'est effectivement assez embêtant. Autre problème qu'on a, je pense que vous l'avez peut-être déjà eu, j'ai le même problème quand je fais de la réflexion, c'est-à-dire si je suis dans ma classe interne ici, de ma classe, et que dans ma classe interne, j'essaie d'accéder à un champ qui est déclaré privé. D'accord? Si vous exécutez le code à runtime, ça plante. Parce que à l'exécution, le monde qu'on voit, c'est le monde de la machine virtuelle. Et pour elle, c'est dans deux classes différentes. D'accord? C'est pas un bug nouveau, c'est le truc qui est marrant. Ce problème, ça a été remonté pour la version 1.1.1 de Java. De temps en temps, ça met un peu de temps pour fixer des bugs. Donc c'est quoi l'idée des nestmates? Bah, c'est de faire en sorte que le monde de la machine virtuelle
comprennent le monde du compilateur. Donc la spécification de la machine virtuelle comprenne la spécification du langage Java. Comment ça marche? On rajoute deux attributs pour lui dire... Alors on peut pas utiliser les... je sais pas si vous avez... Mais dans les inner classes, on a déjà des attributs, mais ils étaient mal branlés malheureusement, donc on peut pas les réutiliser, on est obligé de créer des nouveaux. Et donc l'idée c'est juste de dire, quand une classe est une classe interne, elle va dire quelle est la classe englobante. Et une classe englobante, elle va lister toutes ses classes internes. D'accord ? Alors pourquoi c'est un peu embêtant ce genre de truc-là ? Et pourquoi ça met tant de temps ? Parce qu'il faut changer la façon dont la VM fait les accès au champ privé. Donc si on se loupe, on fait plein de trous dans le langage. D'accord ? Plein de bugs de sécurité. Donc c'est pour ça que ça a pris pas mal de temps. Et puis il y a la phase de découragement, de toute façon on le fixera jamais aussi en plein milieu. Mais voilà, donc l'idée c'est celle-là. Quand on va tester les accès privés, la machine virtuelle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde, est-ce que je suis dans la même classe ? Si je suis dans la même classe, il n'y a pas de problème. Et sinon, elle va regarder, d'accord, ma classe, donc par exemple ma classe interne, si je regarde sa classe englobante, est-ce que je fais partie des gens listés ? Alors c'est important d'être fait partie des gens listés, ça veut dire que je ne peux pas créer une classe moi-même et dire si, je fais partie de la classe interne, enfin je fais partie de la classe englobante, machin là. D'accord ? Donc il y a une sorte de hand-check entre les deux. Les problèmes qu'on a eu aussi en termes... C'est une feature qui date de pas mal de temps, ça a été développé en même temps que la 7. Enfin, l'idée de fixer le truc, c'était en même temps que la 7. Donc vous voyez, ça décale pas mal. Ça veut dire que quand on vérifie une classe interne, quand on vérifie un accès, on peut avoir besoin de charger la classe englobante. Et il y a des petits... Il y a des gens pas très sympas qui... au lieu de laisser le compilateur compiler et faire un jar à partir de tout ça, ils prennent seulement certaines classes pour fabriquer un nouveau jar. Et entre autres, ils mettent les classes internes, mais ils ne mettent pas les classes englobantes. D'accord ? Donc techniquement, la façon dont ça marche maintenant, tant qu'on n'accède pas au champ privé, il ne va pas essayer de charger la classe englobante. D'accord ? Mais par contre, ça veut dire que ce n'est pas le vérificateur de bytecode qui peut vous dire « attention, il y a un problème ». Ça sera forcément à runtime, vous aurez un illegal access error. D'accord ? Mais voilà, le plus gros problème de Java, c'est qu'il y a des millions de gens qui l'utilisent. Donc forcément, on rencontre tout un tas de cas bizarres de gens qui compilent des trucs à moitié. Alors, ils compilent pas à moitié. Souvent, ils compilent tout, mais ils gardent qu'une partie. Donc, ce qui pose quelques problèmes techniques. Donc, ce n'est pas la seule nouveauté, les histoires de Nestmate. Il y a une autre nouveauté au niveau de la machine virtuelle. C'est ce qu'on appelle constante dynamique. Alors, c'est quoi constante dynamique ? Techniquement, si vous regardez un point classe, on a deux parties dans un point classe, on a un gros dictionnaire, et après on a le code. Enfin, la description des champs, des méthodes, et ce genre de choses-là. Et en fait, les types qu'on peut mettre à l'intérieur du dictionnaire sont assez restreints. En fait, j'ai le droit qu'au type primitif et à string. Donc ça doit vous rappeler quelque chose, si on regarde un compilateur, il fonctionne un peu différemment pour les types primitifs et string. C'est parce qu'il peut les mettre directement à l'intérieur des points classe. Ce qui n'est pas le cas pour le reste. L'idée de constante dynamique, c'est quoi ? C'est de dire, je peux mettre n'importe quelle constante à l'intérieur de mon dictionnaire. Donc là, j'ai le problème de comment je fais pour calculer la constante. Et comment on fait ? On va lui indiquer une méthode qui va calculer la constante. On va lui dire, je crée une constante dans mon dictionnaire, mais pour pouvoir l'initialiser, appelle-moi cette méthode-là. C'est ce qu'on appelle une méthode de bootstrap. Et on lui envoie un certain nombre de paramètres. Donc, Le lookup ici, c'est globalement quelle est la classe. Parce que je peux avoir une seule méthode de bootstrap et plein de classes. Donc je vais dire quelle est la classe qui correspond. Je peux lui indiquer un nom. Le nom, souvent je l'appelais nom ici, mais des fois ça permet par exemple d'encoder une constante sous forme de string. Et puis de faire tout un tas de trucs. Parce que c'est un des trucs qu'il faut savoir, au niveau du constant pool, on n'a pas de tableau. Les seules façons de créer des tableaux, c'est de créer des strings et de les parser bizarrement. Ce qui n'est pas terrible. Et la dernière chose, c'est quel est le type de la constante que je vais obtenir. Donc je vais vous montrer sur un exemple. Supposez que pour les méthodes statiques privées finales, je puisse rajouter un mot-clé qui s'appelle lazy. C'est pas en Java, peut-être ça y sera. C'est juste pour vous expliquer avec du code Java, c'est plus facile à comprendre. D'accord ? Mais l'idée est la suivante, je peux avoir une constante
où globalement ma constante ne sera pas initialisée dans le bloc statique. Hein, c'est un gros problème les blocs statiques en Java. Parce que les blocs statiques, c'est exécuté avec un lock. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a un lock qui est pris à chaque fois. Ça prend 120 ans. D'accord ? On dit que Java c'est lent, mais non, c'est les blocs statiques. Vous faites 120 trucs dans votre bloc statique. Arrêtez de faire des choses dans le bloc statique. Bon, toujours est-il que c'est une des façons de résoudre le bloc statique ici, puisqu'on peut déclarer une constante qui ne sera initialisée que la première fois qu'on accède à la valeur. C'est-à-dire, quand je vais exécuter bar, je vais voir qu'il y a un if, et je vais devoir résoudre la constante. Parce qu'en fait, la machine virtuelle a ce mécanisme de résolution de constante lazy depuis le départ de Java. Donc c'est juste réutiliser ce même mécanisme-là pour d'autres constantes que les strings et les types primitifs. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est la version en Java, en pseudo bytecode, voilà ce que ça donnerait. Donc j'ai une constante, je l'ai numérotée 10 ici, d'accord, qui est une constante dynamique, alors ça tient pas sur les slides, alors je l'appelle condi, c'est constante dynamique. D'accord, c'est une constante qui va, pour s'initialiser, aller appeler une certaine méthode. D'accord, tout simplement. Et dans ma méthode bar, bah j'ai on a un opcode particulier au niveau du bytecode qui s'appelle l'autre constante ou LDC, d'accord, qui lui essaye de résoudre la constante si elle n'est pas déjà résolue. Et ça marche automatiquement. Ça ne résout pas le problème de concurrence d'accès, ça, il faut quand même qu'il y ait. Ah non, non, ça ne résout pas du tout le problème de concurrence. Mais historiquement, on avait tendance à mettre des synchronize partout. Maintenant, on a tendance à dire c'est mieux de faire des fonctions qui, quel que soit le nombre de fois où tu l'appelles, ça te renvoie toujours le même résultat. Comme ça, tu n'as pas besoin de faire de synchronize. Au pire, s'appeler 25 fois, et alors ? On s'en fout, ça renvoie toujours le même résultat. Même si la constante est n'importe quoi, ça va marcher. Alors bien sûr, ici, c'est du code Java que vous écrivez. Si vous écrivez des bêtises, du genre « je renvoie, je sais pas quoi, math.random bah... » C'est plus une constante, hein. Ça sera une constante bizarre. Dès l'instant qu'elle peut varier, on appelle plus ça une constante en général. Elle restera toujours une constante. Dans le sens où une fois que tu l'auras observée, tu ne pourras pas en observer une différente. D'accord. Un des intérêts, c'est que ça permet d'implémenter les lambdas. Alors on a deux sortes de lambdas. Si vous regardez, on a les lambdas qui sont dites constantes et celles qui ne sont pas constantes. Une lambda pas constante, c'est une qui capture des variables locales. Quand elle capture des variables locales, ça veut dire qu'on doit la recréer à chaque fois, en fait, à chaque appel. Tandis que si elle ne capture pas de variables locales, bah, on peut la créer une seule fois et toujours la réutiliser. Donc on a un prototype actuellement où on prend les lambdas qui sont constantes et on les transforme automatiquement en constantes dynamiques. Donc ça, c'est la version actuelle. La version actuelle est un petit peu compliquée, mais l'idée, c'est de faire ce genre de choses-là. C'est-à-dire je peux utiliser un constante dynamique et directement, d'accord, lui dire bah, « charge-moi cette lambda-là ». C'est un intérêt énorme, c'est qu'actuellement, les lambdas elles sont chargées par un mécanisme qui s'appelle invoke dynamique. Et invoke dynamique est assez compliqué. Il peut renvoyer des constantes, mais c'est des constantes qui ne seront des constantes que pour les JIT. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs JIT en Java ? Enfin, dans Spot. Actuellement, les constantes qui sont des lambdas, elles ne sont constantes que pour C2, c'est-à-dire le super JIT. Avant, le JIT intermédiaire, il ne considère pas ça comme des constantes. L'intérêt d'utiliser constante dynamique, c'est que c'est une constante dès le départ. Donc je vais avoir des lambdas qui seront des constantes, même pour mon interpréteur, ça sera des constantes. D'accord ? Donc ça permettra d'avoir des lambdas un peu plus efficaces. C'est particulièrement important à un endroit dans le JDK, c'est le temps de boot. D'accord ? On veut qu'on ait le maximum de trucs qui soient des constantes et qu'ils ne soient pas initialisés si jamais on n'en a pas besoin. C'est exactement ce qu'on veut. D'accord ? Donc actuellement, constante dynamique est quelque chose qui est déjà intégré à la machine virtuelle, comme les nestmates. En fait, si vous regardez la branche, si vous testez avec les bêtas du JDK 11, vous avez déjà ces features-là qui sont intégrées dedans. Donc c'est ça l'idée. En Java 8, on avait des lambdas qui utilisaient invoke dynamique, mais dans ce cas-là, je suis que constant au moment où je JIT. D'accord.
En Java 11, on introduit constante dynamique, et l'idée, c'est en Java 12 ou en Java 13 que les constantes, enfin que les lambda constantes utilisent constante dynamique. D'accord ? Le problème, c'est qu'il faudra recompiler, puisqu'on est en train de changer l'intérieur du bytecode, donc il faudra recompiler pour pouvoir utiliser ce truc-là. Autre truc qu'on peut faire, les annotations, si vous regardez, on a exactement la même chose. Qu'est-ce que je peux mettre comme valeur dans une annotation ? Bah, que des trucs qui sont des constantes, exactement pour la même raison. Parce que je dois pouvoir les exprimer dans le constant pool. D'accord ? Donc on pourrait se dire, ah bah avec constante dynamique, je vais pouvoir mettre n'importe quelle valeur dans mes annotations. La vraie question, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? C'est une vraie question ouverte. Hein. Est-ce qu'on a des use cases où on a vraiment besoin d'avoir d'autres types de constantes dans les annotations que les constantes qu'on a déjà ? Ouais, je suis pas sûr. Les méthodes références, ouais. Alors les méthodes références, c'est un autre problème. Techniquement, on pourrait les avoir déjà. C'est un problème de manpower. Si tu veux l'implémenter, on les aura. Ou n'importe qui dans la salle, hein, pas forcément. D'accord. Techniquement, dans le constant pool, dans ton dictionnaire de constantes, tu peux mettre des méthodes références dès le départ. Donc voilà l'état des réflexions. Si quelqu'un vient avec un vrai use case, on aura des valeurs dans les annotations. Notez qu'on a quand même le problème qu'avec constante dynamique, on appelle du code Java, donc s'il y a un couillon qui n'envoie pas une constante, vous aurez dans vos valeurs des annotations des trucs qui ne sont pas des constantes. D'accord ? C'est des constantes si on est gentil. Non, je te laisse la main. Alors, autre nouveauté de ce JDK, ce qu'on appelle les raw strings. Et je crois que ça commence par une démo. Et là, cette démo, comme on n'est plus en Java 10, on n'a plus d'IDE. Et donc, comme on n'a plus d'IDE, on va être obligé de faire les choses un petit peu à la main. Alors, on a mis ça dans une machine virtuelle. En fait, on va utiliser, enfin, je vais utiliser pour ce truc-là. Enfin, tu l'as mis dans une machine virtuelle parce que tu n'as pas un OS normal. Mais... J'ai pas un OS comment ? Normal. D'accord. Ok, donc on a une version de Java qui est une version 11 interne. On voit que c'est buildé par moi d'ailleurs. Le build s'appelle adhoc.forax.umber. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Je me demande. Et là, donc j'ai une classe qui s'appelle rawstring et que je vais compiler. Alors regardez bien parce que je vais la compiler à la main. Donc je vais taper un vrai Java C. D'accord ? Attention. Rawstring.java, vous voyez. Et quand j'appuie sur Entrée, ça compile, et ça ne donne pas de message d'erreur, signe que voilà, le code fonctionne. Et si j'exécute ce truc-là, alors là, il faut que je vire le point .java, okay, et que je vire le C ici, voilà. Et là, ça me fait S1 égale, S2 égale, et c'est normal, il n'y a rien du tout ici, donc c'est normal que ça me fasse ça. Si je mets, par exemple, bonjour ici, et le monde là, voilà. Il faut que je sauve, parce que c'est Emacs, donc voilà. Il sauve tout seul, mais pas comme on voudrait. Que je recompile et que je réexécute, bah, ça m'affiche bien, bonjour le monde, ça c'est du Java, du vieux Java. Ce que je peux faire avec les rawstrings, c'est en fait changer le caractère qui démarre une string et le caractère qui ferme une string par une séquence de caractères. C'est-à-dire que là, si je mets par exemple trois trucs comme ça, ouais, c'est le backtick ça. Vous voyez, Max, il râle, là, quand j'ai fait ça. Sur votre clavier, le seul caractère qu'on n'utilise pas. Voilà. Mais je peux même en mettre que deux. Encore. Aussi. Vous voyez, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est juste le fait qu'il y en a autant pour ouvrir la séquence que pour la fermer. OK. Enfin, vous voyez, tu n'as pas compilé. Voilà. Hein. Comment ? Bah, c'est Max. En même temps, si ça ne marche pas, je sais à qui me plaindre. Je sais qui a buildé le truc. Hein, c'est écrit là. Ah, dis donc, ça compile. Et ça s'exécute aussi. Alors quel est l'intérêt de faire ce truc ? Bah, l'intérêt c'est quand même qu'on peut mettre trois caractères là où il n'y en avait qu'un seul. Non, je plaisante. Avouez que vous y avez cru. L'intérêt c'est que je peux faire des trucs comme ça, vous voyez ? Des machins comme ça. Je peux mettre une chaîne de caractères sur plusieurs lignes. Voilà. Et si je l'exécute, pourquoi ça ne m'a pas marché ? Mon dex, tiens. Parce que j'ai pas sauvé. Ah bah oui, ah bah.
Forcément, ça fait des siècles que je n'ai pas sauvé un code Java, hein, ça je vous confirme. Voilà, ça me l'affiche effectivement le monde comme ça. Alors ça, ce n'est pas très cool parce que vous voyez, en fait, Emacs et IntelliJ frappent très probablement la même chose. Il n'y a pas de logiciel plus intelligent qu'Emacs, donc forcément IntelliJ fera la même chose. À la rigueur, VI. T'avais promis que tu la ferais pas celle-là, hop. C'est pas gentil. Ok, le problème c'est qu'en fait j'ai des blancs qui sont rajoutés pour l'indentation. Et en fait, je peux. Alors ce que je vais faire ici, je vais faire S1 égale S1 point indente, c'est quoi déjà ? Indente trim. Je l'ai noté parce qu'évidemment, une fois qu'on n'a plus. Pardon, strip indente. Voilà. Il y a une nouvelle méthode sur string qui est strip indente. Enfin, ouais, plusieurs. Oui, plusieurs. Enfin, c'est là que je vais vous montrer. Donc là, j'ai bien sauvé. Je vais compiler. Hop. Et là, le strip indente, vous voyez, il m'a viré en fait toutes les indentations automatiquement qui avaient, enfin, les caractères blancs qui ont été rajoutés. Pardon, je remonte le code. Les caractères blancs qui ont été rajoutés pour indenter en fait le truc. Donc cette méthode strip indente me permet de le virer. Tiens, il y a toujours mon X là. Pourquoi il est toujours? Voilà. Ah oui, ah, je sais pourquoi. Voilà. J'ai aussi une méthode qui est assez sympathique, qui me permet en fait le s1.lines. C'est lines, ouais, c'est lines. Qui me retourne en fait quand j'ai une chaîne de caractères comme ça qui est déployée sur plusieurs lignes de mon fichier texte, qui me permet de me retourner un stream. Et les éléments de ce stream, en fait, sont chacune des lignes qui correspondent au fichier texte. Donc là, je vais avoir, par hypothèse, trois éléments qui vont être traités par ce stream. Je peux, par exemple, les mapper comme ça, string ./trim. Ça va me virer les caractères blancs qu'il y a avant et après. Donc ça va faire un peu le même genre de choses que le strip indente. Et puis derrière, en fait, d'ailleurs, tu as un truc qui s'appelle strip, qui fait la même chose que trim, mais en mieux. Ouais. Et là, je vais le mettre sur un collectors.joining, par exemple. Joining. Ouais, ouais. Comme ça. Mais je peux même le mettre comme ça si je veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut que tu comptes le bon nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Intéressant. Ouh. Voilà. Il y a le bon nombre, on ne va pas tarder à le savoir. Hein. Et alors là, évidemment, si tu l'affiches pas, il va falloir que je fasse un import java util.stream .collectors. Non ? C'est ça ? Ouais. Si. C'est celui-là ? On va voir. Hein. Mm-hmm. Ah, c'est celui-là. Sauf que tu l'affiches pas, donc. Ah oui, non, mais on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Attends, voilà. On va copier-coller ça, ça va être plus simple. Ouais, tu pouvais faire var s égale. Non, c'était pour faire ça. Voilà. Eh ben, tu veux que je te mette dans S2 ? Tu veux que je te mette dans S3 ? Combien ? J'en ai un S3 ? Non, j'en ai toujours pas. Voilà. Var S3 égale. Là, je vais mettre S3 quand même pour le voir. Oh, ça fait des années que j'ai pas fait des max. Je suis ému, là. Vous pouvez pas imaginer. Voilà. Et donc ça me remet mon bonjour le monde comme ça. Donc ça, en fait, c'est une nouvelle façon de rajouter des chaînes de caractères dans les fichiers texte, de les déployer sur plusieurs lignes du fichier texte .java. On a besoin pour ça d'un nouveau séparateur qui est en fait le backslash tick, et je peux en mettre autant que je veux. Ça veut dire que si je veux taper du code là-dedans, ouais. Je crois qu'il y a les exemples hein, dans le... Pas que je fasse là. Faut que je fasse là. Ouais, c'est ça. Vous voyez que je peux l'utiliser dans le pattern. Le varès, ce truc-là, là, ça va être un multiline. Mais sur le dernier exemple qui est là, avec du JavaScript, si je veux conserver en fait les guillemets du JavaScript sans avoir besoin de les escaper, bah avec cette nouvelle façon de délimiter des chaînes de caractères en Java, je vais pouvoir le faire. Ouais. Pardon ? Slide d'après, tu as l'exemple avec les... Ouais, c'est ça. Exactement. Je peux l'écrire comme ça. Voilà. Et puis, donc ça, c'est les exemples que je vous ai montrés. Et puis là, donc, le strip, donc c'est le truc qui permet de retirer les blancs. Alors ça marche avec les espaces UTF-8, parce qu'apparemment, ouais, Trim marche pas avec les espaces de l'Unicode. Ouais. Ils ont voulu le corriger en Java 5 et tout le monde a fait Java 5, hein, il y a... 2004, Java 5. Ouais. 14 ans.
14 ans. 14 ans. Quand même. Ok, puis on aura un strip markers également qui permettra de faire des trucs un peu bouger. Ça va bouger ça d'ici la sortie de Java 11 ? Java 11, c'est pas dans 10 ans, hein, c'est en septembre. Hein. C'est en septembre. Alors, ça va bouger d'ici Java 11 ? Techniquement, c'est la seule feature qui n'est pas confirmée. Donc, si ça bouge, c'est que ça sera dans Java 12. Magnifique. Ok, donc ça, c'est l'HeroString, et c'est quand même un truc assez cool. Chose. Donc, backtick, ouais. Ça ne veut pas dire la chaîne vide. Bah non. Backtick, c'est le début d'une chaîne qui doit se finir par backtick. Ouais. D'accord ? Juste le truc qui est un petit peu bizarre. Des petites subtilités qui vont être assez amusantes, je pense. Ok, et donc ça termine les nouveautés de Java 11. Les var en tant que paramètre pour les lambda, donc la possibilité de mettre var dans la déclaration du bloc de paramètres d'une lambda pour avoir l'inférence de type. L'introduction de constantes dynamiques dans la VM. Les nestmates, on va en reparler quand on va parler des value types à la fin. Le tout qu'on dit aussi. Et puis l'HeroString, qui est ce truc directement ajouté dans le langage. Donc encore une fois, 11, c'est septembre, c'est pas dans 10 ans. Et nous avons encore un plan encore plus diabolique pour étendre la domination sur le monde. Les switches et les records. Et le projet Ember. Donc, effectivement, actuellement, il y a pas mal de limitations au niveau du switch. D'accord. Et un des buts du projet Ember, en fait, c'est d'essayer de simplifier un petit peu la syntaxe de Java. Donc là, principalement, l'idée, c'est si j'ai un switch qui veut renvoyer une expression, parce que c'est basiquement ce que je fais ici, là, je veux mettre une expression à l'intérieur de char. Bah, c'est assez chiant à faire avec un switch qui est orienté statement. D'accord ? Notez que si on regarde, le switch, il est extrêmement bizarre. Par rapport à toute la syntaxe en C, le switch, c'est un truc un peu vraiment même très bizarre. Parce que toutes les syntaxes en C, c'est plutôt un truc du genre... Bah, ça marche avec une ligne, et si j'en mets plusieurs, je mets des accolades. Si je regarde mon switch, c'est le seul truc où je mets des deux points, et je dois finir avec des breaks. D'accord ? C'est un truc qui est complètement alien au C, en fait. Et alien au Java aussi, parce qu'on a recompilé exactement la même chose. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de dire, bah, est-ce qu'on pourrait pas faire un switch dans le cas où on renvoie une expression ? Parce qu'en fait... Il y a une statistique qui montre qu'il y a entre 70 et 80% du code qui utilise un switch qui en fait renvoie une seule expression. D'accord, on pourrait l'écrire de cette façon-là. Est-ce qu'on ne peut pas arriver avec une syntaxe un peu plus sympa, un peu plus moderne, on va dire. Donc on va voir quelles sont les différentes limitations du switch. Ce qu'on voudrait, c'est avoir un système plus ou moins de cette façon-là. Où mon switch peut renvoyer une valeur. D'accord ? Alors peut-être qu'on ne l'appellera pas switch, on l'appellera Toto. Autre chose ? Ouais, c'est un bon nom, Toto. Ouais. Il y a des pour et il y a des contre. D'accord ? Les stats qui ont été faits, je crois que la question a été posée à Devox Belgium. Il y avait plus de gens pour le switch que pour un autre mot-clé. C'est les stats à un moment donné. On a vu que historiquement, les gens changeaient d'une année sur l'autre aussi. En fonction des langages sur lesquels ils sont exposés aussi. Il y en a beaucoup qui veulent que ça soit when. Je comprends pas pourquoi. Bien sûr, il nous faut renvoyer une valeur. Donc si on garde le switch exactement comme on a avant, on est obligé d'avoir un break qui est un peu différent, un break qui ressemble un peu au return. Si on regarde le return, on a deux syntaxes, on a return point virgule et return expression. Bah là, on est obligé de dire bah mon break, en fait, il doit renvoyer une expression. Si je veux un switch sur les expressions, le plus simple, si je veux garder la même syntaxe, je ne dis pas que je vais garder la même syntaxe, mais si je veux garder la même syntaxe, c'est d'avoir un break qui lui-même renvoie des expressions. D'accord ? Donc, je peux écrire break new Mustang. Et ça marche de cette façon-là. Bien sûr, j'ai le droit de faire un throw. D'accord ? Puisque je m'en vais après le throw. Maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas terribles dans le switch qu'on aimerait bien corriger. Alors, on ne peut pas forcément les corriger dans le vrai switch, le switch sur les statements,
parce que sinon, il n'y a plus de code qui va compiler. Mais par contre, si on fait un switch sur les expressions, on peut essayer d'améliorer le switch. Alors, on peut essayer de virer les false true, le fait que quand on fait un case upgrade, après, on tombe dans au somme. Alors, celui-là, il n'est pas très grave parce qu'on n'a pas de code en intermédiaire entre les deux. Mais si on commence à avoir du code en intermédiaire, ça trouble beaucoup de gens. À noter, historiquement, le switch il a été intégré au C assez tardivement quand on a voulu commencer à écrire des parseurs. Et le switch sur les statements, il est vachement bien pour écrire des parseurs. Où on a si je suis dans tel cas ou dans tel cas, machin, et ainsi de suite. Mais pour un truc moderne, c'est pas si intéressant que ça. Donc on aimerait bien virer, si possible, les false true. On aimerait bien aussi qu'on puisse... Donc c'est le switch en Java, on ne peut pas avoir la valeur qui est nulle. Si vous envoyez nul, il vous envoie un null pointer exception. D'accord ? Donc ça serait bien si on pouvait ajouter un case nul pour lui dire de faire quelque chose. Parce que ça fait assez bizarre si on regarde, on a tous les cas, sauf le cas où c'est nul qui est dans un if au-dessus. Donc c'est assez bizarre. D'accord ? Et dernière chose qu'on pourrait faire un peu pour améliorer, c'est est-ce qu'on ne peut pas avoir une syntaxe plus réduite que le break et l'expression, dans le cas où on renvoie juste une expression, un peu comme on a avec les lambdas. Donc première chose, si je veux retirer mon false true, une des façons c'est de dire je vais avoir un case avec plusieurs trucs séparés par des virgules. Parce que techniquement ça ne tombe pas dans l'autre. D'accord ? Ils appartiennent tous au même label. D'accord ? Donc ça, tout le monde est relativement d'accord que c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est plus plaisant à lire aussi. Dans le cas où on a un nul, on peut rajouter un case nul. Et c'est assez facile pour le compilateur de savoir si j'ai un case nul, je laisse passer nul. Si j'ai pas de case nul, je plante au début du switch. D'accord ? Comme ça, j'ai le comportement que j'avais avant. Et j'ai le nouveau comportement si je mets un case nul. Alors bien sûr, les deux ne marchent pas bien ensemble. Les virgules et le case... le case avec des virgules. Parce que j'ai mon problème de default. Est-ce que j'ai le droit d'écrire case nul, virgule default, ou case je sais pas quoi, virgule default. Ah, l'autre truc, c'est qu'on aimerait bien aussi avoir le default toujours à la fin. Ça serait chouette de forcer les gens à mettre le default à la fin. Tout le monde le fait pas, je sais pas si vous avez remarqué que vous pouvez mettre le default n'importe où. D'accord ? Le faites pas, mais on peut le faire. Et pourquoi tu le dis ? Hein ? Pourquoi tu le dis ? Ouais, je l'ai pas dit. J'ai pas fait de slide en plus. Je l'ai dit à l'oral, il y a personne qui va regarder, c'est bon. Donc ça veut dire qu'on doit être capable aussi d'avoir ce case machin virgule default, qui est un petit peu bizarre comme syntaxe. Bien sûr, si on introduit ces trucs-là, ça marchera aussi sur le switch sur les statements. D'accord ? On ne va pas dire il y a un switch vachement génial où vous avez le pauvre switch d'avant. Donc on peut introduire les case nuls, le virgule default aussi sur l'ancien switch. Il n'y a pas de problème avec ça. Le autre truc, est-ce que on veut, c'est une vraie question, est-ce qu'on veut une syntaxe plus simple? C'est-à-dire au lieu d'écrire deux points break, est-ce que je peux mettre flèche à la place? Sachant que je vous ai l'exemple qui est là, il est affreux parce que je fais exprès de mixer les deux. Je fais exprès de mixer les deux points. Et les flèches. Parce que si on a que des flèches, c'est assez beau en fait. On peut se dire, oh, si j'ai que des flèches, je vais prendre des flèches, ça a l'air vachement bien. Malheureusement, si on regarde les stats sur tous les programmes qu'on pourrait transformer en switch expression, il y a souvent un case qui prend deux lignes. D'accord ? Les stats. Ah ! Donc ça veut dire que la majorité des switches sur les expressions, on va être obligé de mixer les choses. Et est-ce que c'est une bonne chose de pouvoir mixer les flèches et pas les flèches? D'accord. On a un autre problème avec le fait d'utiliser flèches. Alors la raison principale pour laquelle on utilise flèches, c'est qu'il y a d'autres langages qui utilisent flèches. Et qu'en Java, on utilise déjà flèches pour les expressions, pour les lambdas. D'accord. Mais la flèche des lambdas et la flèche des switches, c'est pas la même. Quand on a une flèche avec des lambdas, vous savez, quand on a à l'intérieur d'une lambda, les variables locales, il faut les capturer.
Donc, il faut que les trucs ils soient implicitement final et ce genre de choses-là. D'accord ? Tandis que dans le cas des cases, mon case, il a le droit d'accéder aux variables locales, il n'y a aucun problème. Même un case d'expression, il a le droit d'accéder aux variables locales. D'accord ? Donc ça, c'est un petit peu embêtant, puisqu'on aurait deux syntaxes, ma flèche, qui ont une sémantique un peu différente. Alors, on peut dire aussi, on s'en fout. C'est pas si grave que ça. C'est juste une syntaxe plus courte. D'accord ? Donc on n'est pas obligé... Oui, des fois, on se prend trop la gueule. L'autre chose qu'on peut faire, c'est juste de dire... Bah, au lieu d'avoir une syntaxe flèche, je peux juste avoir une syntaxe avec deux points. C'est-à-dire que je retombe dans mon truc du C, plus ou moins, qui est de dire, si j'ai une seule expression, je peux mettre deux points et l'expression. Et c'est comme si je faisais un break de l'expression, en fait. Et si j'en ai plusieurs, bah, je suis obligé d'écrire mon break. D'accord ? Je suis obligé d'écrire mes différentes expressions et break. Et la valeur. Donc voilà, c'est les deux... Les deux syntaxes pour lesquelles on hésite un peu actuellement. Donc j'étais en train de discuter de ça avec Brian, sur la mailing list, vous pouvez voir. Quand il a proposé qu'on fasse un poll, pour vous poser la question, puisque vous êtes tous là, vous utilisez tous Java, on peut directement vous poser la question. D'accord, donc on va vous poser deux questions successives. Brian a donné un conseil. Mais Brian a donné un conseil avant, donc on va d'abord s'équiper. Concernant la sécurité. T'es sûr qu'ils sont vraiment inifugés, tes pantalons ? Monsieur Déguisement m'a dit que c'était des trucs de pompiers. Aïe. Ils m'ont aussi dit que je les avais gratuitement si je disais que c'était Monsieur Déguisement. Ah. Je vais jamais y arriver. Hein. Ah ouais. La vieillesse est un naufrage. Je te remercie. Bon, je sais pas si je vais suivre le conseil de Brian jusqu'au bout. En fait. Voilà, donc on va faire. Non, mais en fait, si... pour la petite histoire, ça fait une semaine que je m'entraîne. D'accord. Voilà. Et donc, c'est là, en fait, que tous ceux qui ont chargé l'application Kahoot vont se dire « Ah, mais finalement, on l'a pas fait pour rien. » Ouais, super. Et puis sinon, il vous reste un petit peu de temps pour la charger rapidement. J'ai droit à un deuxième essai, tu crois ? Ouais. Alors, je sais pas si on a certains parmi vous. C'est pas évident à mettre. Hein. C'est quand même un pantalon, quoi. Tu veux que je t'aide ? Non, c'est pas... À deuxième tentative, ça va, mais j'ai encore droit à un troisième essai là, sur le truc. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Voilà. C'est pas livré avec des bretelles. D'accord, donc merci. Attention cascade. Donc vous pouvez sortir les lance-flammes, les trucs comme ça, là ça y est, c'est bon. Donc on va vous faire un petit sondage en fait. Il y a deux sondages essentiels, enfin deux questions dans le sondage. La première question porte sur ces deux syntaxes-là et la deuxième question porte sur l'une de ces trois syntaxes. OK ? Et donc, après, c'est la pause café. Donc, on va... Où est-ce que je vais ? C'est là que je vais. Voilà. Alors, le principe de Kahoot, c'est assez simple. Hein. Ça a vraiment été fait pour que tout le monde puisse comprendre. Là, je vais appuyer sur Play. Et là, je vais appuyer sur Full Screen. OK ? Et là, je vais appuyer sur Classique. Voilà. Je vais faire Start. Tu crois que j'ai le droit de voter aussi ? Ouais, moi je vais voter. Là, il y a un numéro qui s'affiche et donc il y a un test d'intelligence qui consiste à taper ce numéro sans se tromper dans l'application que vous n'avez pas manqué de charger. Tu l'as chargé aussi, bien sûr. Ah ouais, moi je l'ai chargé, ouais, j'ai joué avec. Voilà. Game PIN. Donc c'est le 106 25 00. En plus, il nous file un numéro facile, ce qui est quand même vraiment sympa. Enter. Nickname. Moi, je vais mettre Rémi, toi, tu mets José, comme ça, ce sera plus drôle. Voilà, moi, j'ai mis José. Voilà. OK. Attends, j'ai pas tapé mon game. Moi, je suis lent. Ça va être un vrai sondage, hein.
Il y en a qui sont beaucoup plus rapides que moi. Ça va pas du tout. Mais il suffit juste de taper là, purée. Hey, c'est bon, j'y arrive. Ouais, maintenant, tu t'as pris Mi. Rémi. R-E-M-I. Ah ouais. Voilà. Donc, si c'est vert sur votre téléphone, 207, 209, 210. Ah, on me voit. On peut même scroller, a priori, on peut scroller. J'ose pas scroller. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent encore se connecter, qui sont en train de se connecter? Ouais. Ouais, et encore des gens, vas-y. Tout le monde t'attend, mais il n'y a pas de pression. Hein. Take your time. 244. Alors, si vous avez plusieurs téléphones, vous pouvez voter plusieurs fois. C'est vrai que c'est un sondage, il y a quand même un gros enjeu. 250 ? 251 ? 52 ? Ah, 53, 55. La poutre, plève. Ah, j'ai jamais eu... On y est ? T'as jamais eu autant de gens Non, autant de gens qui votent pour un truc où on leur demande des euros à la fin, quoi. C'est... Ça glisse un peu, là, ce truc-là. J'ai pas l'impression d'avoir le torse bien protégé, là, quand même. Attends. Brian, il a juste dit le pantalon. Hein. Ouais, c'est vrai. J'espère qu'on sera en photo à la fin. Hein. 272, non, ça augmente encore. Test Kaout. Ouais, c'est pour toi. Forcément. 177. Il y a encore des gens qui essaient de se connecter ? Oui, là-bas. La prochaine fois, on fera une répétition. Il faudra venir le dimanche matin à 8h. Enfin, ils n'ont pas besoin de nous pour faire la répétition. On peut démarrer, de toute façon, il y en a deux. Donc, les premiers vont... Au feu. Mais oui, au feu, évidemment. 84. Ah, José, c'est gentil, merci. Il y a un autre José dans la salle ? 284, 83, ah, ça a baissé un petit peu. 85. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui essayent encore de se connecter ? Oh, c'est bon, en vrai. Plus personne ? Bon. Donc maintenant, je vais faire start. Et attends. Peut-être faut dire, c'est en temps limité. Oui. C'est combien ? Et plus vous votez vite, plus il y a des points. Qui servent à rien, mais il y a des points. Je sais plus, je crois qu'il y a 2 minutes par question. 2 minutes par question. 85, mais pendant que tu parles, ça continue à augmenter. Bon, on y va ? Allez, c'est parti, start. Est-ce que vous êtes prêts ? Bah oui, j'espère quand même. Ah tiens, ça part sur la mienne aussi. Voilà, donc quelle syntaxe à votre préférence ? Donc... Est-ce qu'on veut une syntaxe réduite avec la flèche ou est-ce qu'on veut un 2-point break ? On dit c'est suffisant. Ça marche bien leur truc hein, quand même. Hein. T'as vu, on voit le nombre de réponses en temps réel sur le côté. Ouais. N'essayez pas d'influencer votre voisin ou votre voisine. Ça marche pas. N'essayez pas de tricher non plus parce que c'est un sondage. Alors si vous essayez de copier sur votre voisin ou votre voisine, comment est-ce qu'on peut avoir plus de réponses qu'il y avait de gens inscrits au truc ? Il y avait 285, il y a 289 réponses. Il y a des gens qui se sont connectés pendant juste le truc. Voilà. Dans 290. Et normalement, tu vois, ouais. Ah, ah. Donc 173 préfèrent une syntaxe plus courte. D'accord, très bien, super. Donc on va passer au second. Next. Donc c'est la même question, mais les réponses vont... Vous avez un choix de réponses différents. Voilà. Ah, c'est plus délicat là. Il y a 3 choix. Est-ce que t'aimes mieux la flèche ou est-ce que t'aimes mieux le truc quoi ? Attention, c'est intense. Moi, j'hésite encore, tu vois. Ça fait 4 jours que je me pose la question, mais j'hésite encore. Hein.
T'as voté là, ça y est ? Mm-hmm. T'as voté pour quoi ? Non, non, les votes, c'est secret. Oh oui, mais là, c'est d'abord, c'est pas secret ce qu'on va avoir là. Moi, je suis pas bien décidé. Hein. Attention, il n'y a plus que. Bon, puis en plus, une fois que tu as choisi ta réponse, faut pas se gourer dans ce que tu appuies, hein, le truc sur lequel tu appuies. Hein. Je me rends compte, c'est pas dans le bon ordre. T'as pas mis randomisé ? J'ai dû randomiser l'ordre des réponses, j'aurais pas dû. Oh. Ah, là, je vais répondre ça. Ah, c'est pas ce que je voulais répondre. Alors, c'est censé s'arrêter quand tout le monde a voté. Ouais, 287, 89. On a bien fait de mettre 30, enfin de mettre 2 minutes. Finalement, 2 minutes, c'était pas trop court. Ouais. Il y a peut-être des gens qui se sont déconnectés, c'est pour ça. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est fini. Et ça marche pas. Ah, si. Si, ça y est. Uh-huh. Ah, et c'était quoi la jaune ? Ah, régulière de points. C'est entre flèche et jaune. Hein. Ouais. Mais il y a plus de gens qui préfèrent le 2 points, manifestement. Ouais, donc voilà. on est bon pour changer tous les slides qui vont suivre. Eh ben écoutez, on a juste la pause pour le faire, donc je pense que ça va être parfait. Voilà, voilà. Écoutez, merci pour la participation à ce sondage. On se prend combien de temps de pause ? Quelle heure il est ? Je sais plus. 15 ouais. minutes de pause, ça va ? 15 minutes de pause, ouais, c'est ouais. bien. On reprend à 15. À 15, on reprend. Merci à tous. Et nous sommes de retour après une pause café. Fort bienvenue, mon cher Rémi. Et je suis heureux de constater que les questions pleuvent sur Twitter. Pourtant, c'est pareil, il n'y a rien à gagner, hein, que ce soit Twitter ou Kahoot. Voilà. Question, quelle différence entre OpenJDK et Adopt OpenJDK ? Mis à part que dans le deuxième, il y a Adopt avant, et pas dans le premier. Je pense ouais, le nom n'est pas le même. alors, la différence, c'est quoi ? C'est que, donc, historiquement, l'OpenJDK ne fournissait pas de binaires. Donc, il y avait une grosse différence, qui est de toute façon, si on voulait des binaires, on était obligé d'utiliser Adopt OpenJDK. Donc, depuis, je sais pas, 6-8 mois peut-être, l'OpenJDK fournit aussi des binaires. Donc maintenant, il y a les binaires qui peuvent arriver de deux endroits. La différence, c'est que Adopt OpenJDK, il build aussi les binaires sur les branches Valhalla et Amber. Tandis que l'OpenJDK ne build les branches que sur le JDK, que sur la branche JDK. En fait, Adopt OpenJDK, ils ont liberté de builder n'importe c'est ça. Quelle branche, tout ce ouais. qu'ils veulent. Exactement. Et ils en profitent assez largement d'ailleurs. Ouais, ouais. Ouais. Donc, des fois, effectivement, on n'a pas la toute dernière à jour, machin. Ouais. Mais. D'ailleurs, Adopt OpenJDK recrute, entre guillemets, ils ont fait un appel à contribution il n'y a pas longtemps. C'est le London Jug, donc c'est vraiment un projet communautaire. Ouais. Ils ont, en tant que London Jug, ils ont une licence pour utiliser le TCK, puisque ouais. ça se fait sous licence. Ils ont obtenu cette licence, et donc ils ont tout un tas de possibilités, de builds, etc. Si vous êtes un peu versé là-dedans, si ça vous intéresse, vous Parce pouvez les contacter. Et voilà, il y a déjà une centaine de personnes. Des, hein. Ils cherchent des seniors, en fait. Ouais. Il y a déjà une centaine de personnes hein, qui travaillent dessus, c'est pas groupe, hein. C'est assez important. Ok, donc ça y est pour le coffee break. On va continuer sur Java 12 avec les switch. On va encore continuer à parler des switch et ça va nous prendre jusqu'à la fin de la présentation, quasiment les switch, hein, il me semble bien. pas loin. Et les records. Enfin ouais, on va finir avec autre chose. Mais et les records. Ok. Ah, du bytecode. Ça, c'est voilà. tout. Donc, il me semble, le bytecode. On va parler un peu de la translation en bytecode. Alors pourquoi on va en parler ? Parce que c'est toujours fun de mettre du bytecode. Mais il y a une autre raison, c'est qu'on va voir qu'il y a des petits problèmes avec la translation actuelle. Alors, la traduction actuelle en français. C'est pas un vrai bytecode, mais c'est du pseudo-bytecode pour que les gens comprennent.
Donc, si je prends mon switch sur les strings, d'accord, on a viré tous les détails à la con, en fait. Si on prend le switch sur les strings, voilà comment le switch sur les strings est actuellement compilé, d'accord, depuis la version... Switch sur les strings, c'est la version 7, je crois. C'est la version 7, oui. C'est ça. Donc ça marche de cette façon-là. Si on regarde, on charge allo de 0, ça veut dire on charge la variable locale 0. Donc on charge le truc sur lequel on va faire le switch. Et après, on appelle string.hcode dessus. C'est un truc à pile, ça met dans la pile et donc ça appelle directement le truc sur la pile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le switch sur les strings, il fait un switch sur les hashcodes. D'accord, c'est comme ça que ça marche. Et donc c'est pour ça qu'on a des beaux labels moins 23, blablabla. C'est les valeurs de hashcode correspondant. Alors bien sûr, on peut avoir des collisions, c'est-à-dire on peut avoir plusieurs strings qui tombent dans le même. Donc derrière, on a quand même un test sur equals, d'accord, pour vérifier que c'est bien effectivement la bonne string qui nous intéresse. Et donc en fait, dans le bytecode, on a deux sortes de switch. Si vous regardez, on a le lookup switch et on a le table switch. On a le switch sur des valeurs qui ne se suivent pas, c'est le lookup switch. Il fait une sorte de dichotomie dessus, donc il faut les mettre dans l'ordre numérique, trié quoi. Et on a le table switch, où dans ce cas-là, on va sauter. Donc c'est dans le cas où les valeurs se suivent. C'est-à-dire on peut commencer à 10, mais après ça doit être 11, 12, 13, 14. D'accord ? Les valeurs se suivent. Donc si on regarde, en fait, on a deux switches différents qui sont faits. On en a un premier pour savoir, pour matcher le case, pour savoir, enfin, matcher la valeur du case. Et on en a un second pour dire, si j'ai vu tel case, alors voilà ce que je vais exécuter. Alors pourquoi on a deux switches? Bah parce que mon premier, je suis obligé de mettre les labels dans un certain ordre, c'est ce que je vous disais, le lookup switch. Or, ce n'est pas forcément l'ordre dans lequel l'utilisateur il a écrit. Et s'il a utilisé des false true, on est U. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a deux switches. Enfin, deux, au niveau de la VM, un lookup switch et un table switch. D'accord? Donc ça marche de cette façon-là. Alors là, vous êtes tous en train de dire « Oh non, c'est affreux, pourquoi ils ont fait ça ?» Vous voyez le gros bug? Non? Personne ne voit l'énorme bug. En fait, personne ne l'a vu non plus, tant que le JDK a été réalisé, enfin réalisé. Et après, il y a un léger problème technique. Bah là, on a le monde du compilateur et le monde de la machine virtuelle qui peuvent pas être d'accord. Qu'est-ce qui se passe si mon compilateur il calcule une certaine valeur de hashcode, donc il le met dans mon bytecode, et que ma machine virtuelle qui est plus récente, quand elle calcule son hashcode, elle le calcule différemment, et je ne retrouve pas mes petits. Donc, basiquement, ça veut dire quoi? Bah, à cause du switch sur les strings, on ne peut pas changer le calcul de hashcode de string. Même s'il est très mauvais, et il est très mauvais, d'accord, on ne peut pas le changer. On ne peut pas le changer parce que bah, sinon on va avoir le compilateur et la machine virtuelle qui ne seront pas d'accord sur comment on fait pour calculer le hashcode. Ce qui est quand même assez embêtant. D'accord. Donc on a ce problème-là avec les switches. On résout le problème en disant, bah, si vous regardez en fait la doc de string.hashcode, c'est marqué en dur dedans, voilà quel est l'algo qu'on va utiliser pour calculer le hashcode. D'accord, ce qui est assez rare, hein. En Java on ne donne pas les implémentations la plupart du temps dans les trucs de doc. On a le même problème avec les énums. En fait, le switch sur les énums, il fait un switch sur les valeurs de ordinal. Donc ça ressemble beaucoup, c'est-à-dire les valeurs dans l'ordre. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, de mettre une valeur d'énum au milieu d'un énum. Au lieu de le rajouter à la fin, vous rajoutez une valeur d'énum au milieu. Bah, tous vos switches qui ont été compilés, ils sont faux. Bon, bien sûr, si vous recompilez tous les switches sur cette valeur d'énum, c'est bon. D'accord ? Mais ça veut dire que quand on veut changer la valeur d'un énum, pour rajouter des valeurs, on ne peut rajouter les valeurs qu'à la fin. Parce qu'on fait un switch sur les ordinales. D'accord ? C'est arrivé à personne, ça. Moi, ça m'est arrivé une fois. Hein. De rajouter, justement dans un logger, de rajouter un état intermédiaire et je prunch. Donc on va changer en fait la façon dont on fait la traduction en bytecode. Et on va garder la notion du table switch, d'accord, le truc qui dit comment on fait les choses. Mais par contre,
le premier lookup switch, on va l'enlever et on va le remplacer par un invoke dynamique. Alors c'est quoi invoke dynamique? Invoke dynamique, c'est j'appelle quelque chose et ce quelque chose-là, il va me fournir une fonction et après, pour toute la vie de la machine virtuelle, je réutiliserai cette fonction-là. D'accord? C'est un peu ça l'idée. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un appel au runtime, on fait un appel au JDK pour lui dire c'est quoi la fonction que je dois utiliser. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que si j'ai mon switch sur des strings, d'accord, j'encode plus le hashcode du compilateur. Si je regarde mon switch sur les strings, je n'ai pas d'information, d'accord, sur les hashcodes du compilateur. Pourquoi? Parce que celui qui va introduire, bah, je fais mon lookup switch sur les machins, c'est mon invoke dynamique. Vous pouvez prendre invoke dynamique comme étant une sorte de macro assembleur, de macro instruction qui va, dans lequel on va pouvoir substituer plein d'instructions. D'accord? Donc ce qu'on donne à invoke dynamique, on lui donne par exemple alors, juste la recette qui va nous permettre de calculer les choses. C'est-à-dire on lui dit, voilà tous les cases que j'ai, et en plus j'ai un pattern avec des 0 et des 1 là, qui me dit à quel case ça correspond. D'accord? Ça dit upgrade et awesome, c'est mon case 0, tandis que regular, c'est mon case 1. D'accord? La valeur de, sortie de mon invoke dynamique, c'est un entier, et je fais mon table switch dessus. D'accord? Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que, en fonction des versions de mon JDK, je peux changer la façon dont je vais faire en fait mon premier switch, dans la façon dont je vais associer une chaîne de caractères à 0, 1, 2, 3, au case correspondant. D'accord? Donc ça veut dire entre autres que maintenant je peux suivre la mode de quelle est la meilleure fonction de hachage. Ça change pas souvent, mais ça change quand même tous les 4 ou 5 ans. Hachage pour les strings, hein. Pas hachage au sens crypto ou ce genre de choses-là. D'accord? Donc c'est assez intéressant. D'avoir ce genre de truc-là, ça veut dire que, livré avec le JDK, on peut avoir les versions qui évoluent, et donc avoir toujours des meilleures performances à ce niveau-là. Donc voilà, donc ce code-là, il est déjà présent sur ma machine. Donc on peut faire des tests avec, d'accord. C'est un test que j'ai fait avec JMH. On a l'ancien switch, le nouveau switch, et qu'est-ce qui se passe si je fais des if equals à la place? Ah, je vous ai pas dit quelque chose qui est assez intéressant. Actuellement, le switch sur les strings est lent. On le voit, bah, prenez le cas où on a... Alors, j'ai le cas où j'ai pas beaucoup de cases et le cas où j'ai beaucoup de cases. D'accord? Enfin, beaucoup, j'en ai mis 10. Après, j'avais mal aux doigts. Donc, dans le cas où j'ai... ne serait-ce que 4 cases, mon old switch est plus lent que mon new switch. Parce qu'on a un truc un petit peu particulier. En Java 9, on a une nouvelle implémentation des strings. Je ne sais pas si vous savez. En fait, il faut utiliser Java 9 juste pour ça, juste en prod. Vous verrez vos strings. Enfin, si vous avez beaucoup de strings, ça vaut vachement le coup. L'autre chose, c'est qu'il y a pas mal de tests sur les strings qui ont été recodés avec des SIMD. Enfin, avec des. Je suis capable de faire plusieurs. Des opérations de vectorisation. D'accord? Et ça donne un truc assez marrant, c'est que finalement, le string.equals est plus rapide que le string.hashcode. Bah oui, quand je fais des equals entre des strings, j'ai pas de dépendance entre mes différentes valeurs. D'accord? Les trucs de vectorisation, ça n'aime pas quand il y a des dépendances. Or, quand je calcule un hashcode, je reprends les anciennes valeurs pour les recalculer les suivantes. Donc intuitivement, maintenant que je vous l'ai expliqué, et qu'on utilise les trucs de vectorisation, en fait, calculer un hashcode sur les strings, ça peut être plus lent que juste faire un equals. Ce qui est quand même assez affreux. C'est de la faute des processeurs modernes. C'est toujours leur faute. Mais c'est ce qui fait qu'en fait, le old switch, il va plus lentement que ne serait-ce que faire un if equals sur les différents cas. Pardon. Notez que utiliser le old switch quand on a plein de cases,
D'accord, c'est affreux, mais c'est pas affreux pour la même raison. C'est affreux parce qu'on va avoir un énorme bytecode. Et quand on en a un énorme bytecode, le JIT il fait bah et il s'arrête. Donc on n'a plus les optimisations. Entre autres, l'optimisation qu'on loupe ici, c'est on n'a plus le déroulage des boucles qui est fait. Donc on perd en fait énormément. Non pas parce que le switch en lui-même est lent, mais que comme on écrit beaucoup de bytecode, d'accord, le JIT veut pas passer énormément de temps à l'optimiser. D'accord, donc c'est ce qui fait qu'on a beaucoup. C'est en nanoseconde, hein, ça va vite quand même, mais comparativement. Il n'y en a que 10. Hein. Beaucoup de trucs. On a notre new switch qui n'est pas terrible ici. D'accord. J'étais incapable de savoir pourquoi. Alors, comme j'ai fait les tests la semaine dernière, donc je vais poser officiellement la question de pourquoi. Parce que si on regarde les deux codes assembleurs, bon, ce n'est pas les mêmes. Entre le if equals et le new string. C'est pas les mêmes, les codes assembleurs, mais les deux ont l'air d'être logiques, mais il y en a un qui va beaucoup plus vite que l'autre. Donc ça dépasse mes compétences. D'accord. Donc c'est assez marrant. Même quand on regarde l'assembleur, on comprend pas en fait. Pourquoi ? Donc ça fait partie des axes d'amélioration. Effectivement, on espère bien que le new switch, il sera au moins aussi performant que le if equals. D'accord ? Notez que les if pour la machine virtuelle sont très très efficaces parce que la machine virtuelle joue un petit jeu qui est de regarder si on n'est jamais passé par le if. Et si on n'est jamais passé par le if, elle ne le compile même pas. D'accord ? Donc si on est dans des cas où j'ai un énorme if equals, mais que je passe toujours que dans un cas, alors dans ce cas-là, je vais très très vite. C'est assez rare, mais ça arrive. D'accord ? Donc c'est un des problèmes de faire des micro-benchmarks, on peut tomber dans un cas où, oh, magiquement, ça s'optimise super bien par la machine virtuelle. Mais en tout cas, on peut toujours, enfin le new switch va plus vite que l'ancien switch. D'accord, quoi qu'il arrive. L'autre chose, c'est que si on regarde le switch, en fait, il est agnostique au type de choses qu'on fait. Donc bien sûr, notre nouveau switch, il va marcher avec les enums, les strings, mais aussi avec les doubles, les floats, les longues. D'accord ? Bon, le switch sur les ints, il va rester le vrai switch parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser une vogue dynamique, mais pour tous les autres, on va ajouter. Alors double et float, je vois pas trop l'intérêt. Quand on fait des égales sur les floats, ça se passera rarement bien, hein, mais pourquoi pas. Bon, pour les longues, ça arrive. On en a besoin de... Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé une fois, c'est chiant. D'accord. Pourquoi on a des meilleures performances ? On a des meilleures performances parce qu'on a moins de bytecode. On utilise une vogue dynamique. L'intérêt d'une vogue dynamique, c'est que le JIT est censé normalement complètement l'optimiser. Donc on ne paye pas le coût du bytecode. D'accord. Problèmes principaux, bah, c'est une nouvelle traduction. Donc si c'est une nouvelle traduction, il faut recompiler pour bénéficier des avantages. D'accord. L'autre chose, c'est j'utilise un invoke dynamique, je vous disais, le JIT, il est vachement content, mais ça lui fait plus de travail. Donc ça veut dire que ça peut ralentir le moment où vous arrivez à l'état où tout votre code, enfin tout a été généré en assembleur. Enfin, tout ce qui devait être généré en assembleur a été généré en assembleur. D'accord, le steady state. C'est pas un gros problème en soi. Parce que le JIT, il fonctionne sur d'autres cœurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les JIT, ils sont exécutés sur d'autres cœurs et maintenant, on a de plus en plus de cœurs qui font rien. Donc autant qu'ils travaillent un petit peu. L'autre chose, c'est que quasiment tous les algos qu'on a au niveau des JIT, c'est juste du calcul. D'accord ? Ça n'a pas besoin de beaucoup de RAM. De temps en temps, un petit peu, mais pas beaucoup. Donc c'est des choses où plus on a des processeurs modernes, mieux ça se passe. Parce que c'est juste du calcul. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bien. Une fois qu'on a ça, on est en train de se dire, c'est bien des switches, mais techniquement, c'est pas forcément ce que je veux faire. Ce que j'aimerais bien, c'est faire des switches sur n'importe quoi.
plutôt que de lister tous les cas pour lesquels je peux faire des switches, j'aimerais bien directement faire ce qu'on appelle du pattern matching. On a plusieurs formes de pattern matching, on va voir d'accord, les différentes formes de pattern matching. L'idée, c'est celle-là. Supposez que vous ayez une belle hiérarchie de véhicules avec des voitures, des bus et des vélos. D'accord ? Donc j'ai une interface véhicule et j'ai plusieurs classes pour chaque truc. Par contre, cette hiérarchie, c'est pas vous qui la maintenez. C'est dans un jar quelque part, vous récupérez ce truc-là. Et vous voulez faire un calcul sur cette hiérarchie. Bah là, on est un peu U. Parce qu'on peut pas mettre le truc, on peut pas mettre la méthode directement dans la hiérarchie. C'est pas à nous. On peut toujours téléphoner au mec et lui demander, mais souvent ça marche pas bien. Enfin, pardon. Faire une pull request, mais souvent ça marche pas bien. Donc on fait ce genre de choses-là, des if instance of. D'accord ? Et là on se dit, ça serait bien si on pouvait faire un peu mieux que les if instance of. Alors on a plusieurs formes, on a les visiteurs. D'accord ? Alors si vous écrivez un compilateur, vous allez les utiliser, sinon vous n'allez jamais les utiliser. D'accord ? À part à l'université où on embête les pauvres étudiants, mais sinon non. Pas toutes. Hein. Pas toutes. D'accord ? Donc ce qu'on aimerait bien faire, c'est ce genre de choses-là. C'est-à-dire avoir un switch où on peut faire case, bike, case, car, case, bus. D'accord ? Et ce genre de choses-là. Dans le cas où, effectivement, on n'a pas le contrôle sur la hiérarchie. Ça réduit quand même énormément le code. L'idée, c'est d'avoir exactement le même schéma de translation. On a un invoke dynamique, et au lieu de lister des strings, on liste des classes, et au magie, ça marche. D'accord ? Donc c'est un des trucs, c'est qu'en fait, améliorer le switch sur les expressions, ça permet aussi de faire le switch sur les types assez facilement. Notez qu'un des trucs qu'on a, c'est qu'on a des affreux castes qui apparaissent, qui sont pas très jolis. Qu'on le voit, c'est le check cast qu'on a là. C'est là, l'équivalent du cast à l'intérieur du bytecode. D'accord, mais c'est exactement le même genre de traduction qu'on a. On peut faire des tests de performance sur le type switch. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on peut avoir des cases, mais si on commence à faire des cases, on peut faire des cases aussi sur des interfaces ou sur des classes qui héritent. Donc on doit prendre en compte le nombre de cases qu'on a et aussi le nombre de cas possibles de classes qu'on a. D'accord ? On ne va pas faire que des switches sur des classes qui sont finales et qui sont en haut ou en bas de votre hiérarchie, ça dépend comment vous représentez le truc, enfin, les sous-types, ainsi de suite. En termes de performance, on se rend compte que pour quand on a un faible nombre de cas et un faible nombre de classes, c'est les mêmes valeurs. D'accord ? Dans le cas où on a beaucoup de cas, le instance of est affreux, le if instance of est affreux. Je pense que vous l'avez déjà vu dans des codes. Alors vous n'êtes peut-être pas dit que c'était cette partie-là qui était lente. Mais en fait, instance of, pour le faire de façon efficace, on est obligé de faire plein de if. Donc si vous faites des if qui en eux-mêmes ont plein de if, parce que c'est ça, un if instance of, if instance. D'accord ? Bon, on arrive à un moment où on a tellement de branches que le prédicteur de branchement du CPU, il fait. D'accord ? Donc c'est ça qui fait qu'en termes de perf, ça varie énormément. Pourquoi le type switch est plus lent pour le instance of ? Pour exactement la même raison que je vous ai dit pour les strings. D'accord ? J'ai le même code assembleur, je ne sais pas exactement. Donc je présuppose que c'est le même problème. Comme ça, une fois qu'on l'aura chopé, on l'aura pour les deux. Ce qu'on peut faire, c'est directement dire... Quand j'ai mon case, je vais pouvoir nommer la variable. Et donc je fais bien un switch sur des véhicules, mais je peux écrire case car car. Et oh magie, maintenant mon car est typé correctement. D'accord ? L'autre solution qu'on pourrait avoir, c'est dire si on est dans un case car,
automatiquement V, on peut l'utiliser et il est typé comme un char. Alors ça, ça pose quelques légers problèmes techniques. Techniquement, on a des problèmes avec les debuggers parce que ça veut dire que la variable change de type en plein milieu. Alors IntelliJ sait le résoudre parce qu'ils ont dû résoudre ce problème-là pour Kotlin, donc ça marche aussi pour Java. Mais tous les autres debuggers ne marchent pas sur ce système-là. L'autre raison pour faire ça, on va la voir un petit peu après. De quel est l'intérêt de plutôt donner un nom de variable que dire je suis suffisamment intelligent pour voir que c'est une voiture. L'autre chose qu'on peut faire, c'est de se dire oh, j'aimerais bien, en fait ce qui m'intéresse c'est pas la voiture en elle-même mais c'est les passagers qu'il y a dedans. Donc ce qui m'intéresse c'est pas car en tant que tel, mais c'est que le fait que car contienne un champ qui est un int, passenger. Donc je peux essayer de, bon, on appelle ça déstructurer les choses, c'est-à-dire de dire, moi je vais faire mon switch, mais ce qui m'intéresse c'est la valeur à l'intérieur de l'objet. C'est pas l'objet en tant que tel, c'est la valeur à l'intérieur de l'objet. Donc ça c'est le genre de choses que vous voyez dans des langages comme Camel, enfin je sais pas si vous êtes français, vous connaissez Camel. le genre de pattern matching qu'on peut faire. C'est assez compliqué de faire ce genre de choses-là. Pourquoi ? Parce qu'il faut être capable de dire je prends un objet et je le vois comme un ensemble de valeurs. Parce que là, c'est assez facile. Enfin, même pour mon bus, je vais voir mon objet bus et je vais vouloir extraire les différentes valeurs qu'il y a à l'intérieur. Je vais vouloir extraire les différents champs. Si je m'y prends mal, j'ai cassé l'encapsulation. Si je peux accéder au champ, ça veut dire que mon objet, il est complètement visible vis-à-vis de l'extérieur. Donc j'ai pas d'encapsulation. Alors l'encapsulation, on peut se dire ouais, c'est galvaudé, on s'en fout. Non, c'est un truc, l'encapsulation qui est vachement bien, c'est ça permet de changer l'implémentation tout en gardant le truc. Donc ça veut dire que vos softs ils vivent plus longtemps. C'est assez important. Si on reprend l'exemple de Java Langstring, on ne sait pas comment c'est codé. Et si vous regardez, dans la vie de Java, ça a dû changer au moins 4 ou 5 fois d'implémentation. Dont la dernière en 9, d'ailleurs. La dernière en 9, oui. Ouais. Dans une update aussi, à un moment de la 6, ou je ne sais plus, ils ont changé en plein milieu. Si vous ne faites pas de la réflexion en ouvrant les trucs, vous ne le voyez pas. Il y en a qui faisaient de la réflexion sur le tableau de char de la classe String. Mais depuis Java 9, de toute façon, tu peux plus trop le faire. Donc. C'est-à-dire que le tableau de char, il est plus là. Donc. Non, il est plus là, mais surtout, tu as des modules et tes modules, ils t'empêchent de faire ce genre de truc-là. Tu peux plus monkey patcher le JDK comme tu avais envie avant. Ce qui est vachement important. Ça veut dire qu'il y a déjà un truc qu'on a plus à penser. Il reste toujours la sérialisation, mais on n'a plus ce problème-là. Globalement, ça veut dire qu'on doit avoir l'opération inverse d'un constructeur, si on garde. On doit être capable de prendre un objet et de voir les champs qui ont permis de le créer. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'implémentation de l'objet. Ce n'est pas l'implémentation qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une opération qui nous permette d'extraire les valeurs au niveau de l'objet. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que l'objet sera codé en interne. Alors, c'est même la même chose que les constructeurs. Ce n'est pas parce qu'on envoie des valeurs au constructeur que c'est exactement ces valeurs-là qui sont stockées dans l'objet. Donc là, on veut exactement la même chose. Donc on a besoin d'un déconstructeur. C'est sympa, un déconstructeur. Alors c'est quoi un déconstructeur ? C'est une méthode virtuelle, c'est pas statique. On l'appelle sur un bus et ça renvoie les valeurs du bus. D'accord ? Alors bien sûr, on a un léger problème technique avec ça. Les tuples en Java, on les a pas trop. D'accord ? Donc ça pose problème. Alors ce qu'on peut faire, c'est attendre les tuples. Parce que les tuples, on finira par les avoir. Mais pour ça, il faut avoir les value types. Et les value types, ça prend déjà un certain temps. Donc, l'autre solution, c'est de dire, je vais créer des objets spéciaux, d'accord, ou plutôt je vais créer des classes spéciales, qui sont des classes qui automatiquement vont me fournir un déconstructeur. Alors ça ne sera pas un déconstructeur, on va voir exactement comment ça s'appelle, mais c'est cette idée-là. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire du pattern matching sur n'importe quelle classe, au moins au début, après quand on aura des tuples, on pourra le faire.
Mais pour l'instant, on n'a pas de tuple. Donc, on va pouvoir faire du pattern matching déstructuré que sur des classes qui permettent de faire le pattern matching déstructuré. D'accord ? C'est quoi l'idée ? Bah, je vais avoir un mot-clé record, c'est le mot-clé actuel, il changera peut-être. D'accord ? Je vais pouvoir définir des records. Alors, c'est pour ne pas utiliser data class parce que c'est déjà utilisé, ou case class parce que c'est déjà utilisé. Mais c'est exactement la même idée. D'accord ? On a un constructeur primaire où on peut mettre toutes les valeurs. D'accord ? Ces valeurs-là seront générées en tant que champ dans l'objet. Et l'autre chose, c'est que magiquement, le compilateur il va écrire une méthode particulière qui s'appelle un extracteur. Et c'est quoi un extracteur ? C'est un objet qui contient basiquement comment je fais pour extraire chaque valeur à l'intérieur. D'accord ? Alors, je voulais représenter sous forme de lambda. On a une représentation un peu plus efficace que des lambda. On est au niveau de la machine virtuelle. On peut jouer avec des trucs un peu plus efficaces, enfin, au niveau du bytecode. D'accord ? Mais ça, c'est cette idée-là. C'est l'idée de dire, je ne peux pas résoudre mon problème de pattern matching déstructuré pour tous les objets, mais je peux le réduire pour une classe d'objets qui est souvent la classe des objets qui m'intéressent. Et pour ça, j'ai besoin de record. Donc, c'est quoi un record ? Un record, c'est juste la même chose qu'une classe, on va dire, mais où tout est basiquement généré par le compilateur. Un peu comme un bin alors. Hein ? Un peu comme un bin alors. C'est ça. Comme un bin, on va voir les différences qu'il y a entre les bins et les records. Il y a plusieurs trucs. Une des grosses différences entre les bins et les records, c'est qu'on ne veut pas que les records ils exportent trop de choses. Un des problèmes des bins actuellement, c'est qu'on se retrouve à écrire des getters, des setters, enfin si on les écrit à la main ou si on les génère avec l'onboc ou ce genre de choses-là. Ce qu'on aimerait bien, c'est que que le compilateur génère uniquement ce qui est nécessaire et surtout pas plus. D'accord ? Donc effectivement, si je reprends ma hiérarchie, maintenant je peux l'écrire sur un slide. Avant je ne pouvais pas, ça aurait pris trop de code Java. Là je vais pouvoir l'écrire sur un slide. Donc je vais avoir mon record by qu'implémente vehicle, mon record car qu'implémente vehicle et bus qu'implémente vehicle. Ah non, ça n'a pas marché. Il manque implements vehicle. C'est sur les slides, ça marche. Ouais, mais un slide sans bug, c'est pas vraiment ça. Et donc le fait de faire ça, le fait d'avoir ces records qui sont automatiquement générés, ça va me fournir la possibilité en fait d'extraire les composants du record, d'extraire les valeurs du record. Comment ça marche ? Oh ! C'est un petit peu compliqué, mais on retrouve notre invoke dynamique et notre table switch de tout à l'heure. D'accord ? Si vous regardez. On a notre invoke dynamique qui fait un switch sur des types. C'est exactement le même que tout à l'heure. Ce qui change, c'est l'extraction, en fait. Le switch sur les types reste le même. Maintenant, comment on fait pour extraire ? C'est le code qu'on voit ici. On a un bel invoke dynamique qui dit « Extrais-moi » d'accord, en utilisant l'item 0. Et c'est quoi l'item 0 ? L'item 0, c'est quelque chose qui nous dit ce qui m'intéresse dans ma classe car, c'est le composant 0. Si vous lisez les getters qu'on a ici, là, d'accord, ça va correspondre à... Si vous regardez dans le slide d'avant, on avait une lambda qui permettait d'accéder aux choses. Je peux le montrer, Jérémy. Ouais, encore avant. Quand je montre, voilà, l'extracteur, j'ai dit que ça prenait des lambdas. Techniquement, ce n'est pas des lambda que ça prend. Ce que ça prend, c'est des méthodes handle qui sont des pointeurs de fonction au niveau un petit peu plus bas. Donc, si tu revois ici. Donc ici, c'est des méthodes handle, mais constantes dynamiques. C'est mes trucs qui vont permettre d'extraire le composant 0, le composant 1, et ainsi de suite, des choses. Alors, pourquoi c'est vachement compliqué, ce genre de choses-là ? Ce qui est compliqué dans le pattern matching, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais la classe change ? Si mon record, il change,
Qu'est-ce que je dois extraire? Comment ça marche? Si par exemple, on prend un exemple simple, j'ai un record avec deux valeurs et je rajoute une troisième valeur. Est-ce que mon switch doit quand même marcher? Est-ce que mon switch ne doit pas quand même marcher? D'accord? Si on hardcode directement dans le bytecode la façon dont on va chercher les éléments, ça ne marchera jamais. D'accord? Est-ce que j'ai le droit de dire, dans mon record, j'utilisais un type et maintenant je peux utiliser un sous-type? Est-ce que ça marche? D'accord? Et ce genre de choses-là. Donc c'est pour ça qu'on a ces méthodes handle-là, parce que ces méthodes handle-là, ils vont nous éviter d'encoder à l'intérieur du bytecode les types exacts des composants et faire en sorte que ça marche, d'accord, si on fait des changements au niveau des records qui sont des changements compatibles. L'autre chose qui est pas mal, c'est qu'on utilise des constantes dynamiques. Ça veut dire que ces extracteurs, ces méthodes qui vont nous permettre de... ces sortes de getters, mais au niveau statique, au niveau d'une classe, d'accord, ils ne sont calculés que quand on en a besoin. Ça veut dire que si jamais je passe jamais dans mon label 1 de mon table switch, j'appelle jamais mon item 0 et donc j'initialise jamais ma constante dynamique. D'accord, ce qui est aussi important. Je ne vais payer que les getters, d'accord, qui correspondent au cas que j'exécute. Donc les records. Les records. Donc, comme tu le disais, un record, c'est un petit peu comme un bin, en fait. Un bin, c'est un objet. C'est quand bin, c'est 1.1, c'est quasiment. C'est ouais, ça doit être 1.1. Ouais. Ça doit être la WT, hein, c'est ça. Ouais. Bin info, etc. Enfin, c'est le tout début de Java, en tout cas. Et en fait, l'objet du bin, c'est essentiellement d'encapsuler un état et d'exposer cet état sous forme de getter et puis éventuellement sous forme de setter si cet état peut être modifié. Ça définit la notion de propriété, mais la notion de propriété, stricto sensu, elle n'est pas reliée à la notion de champ. Par exemple, le string, j'ai une propriété empty dessus, isEmpty, qui est une propriété en lecture seule, mais qui correspond à aucun champ à l'intérieur de la classe string. Ça va juste exécuter du code pour savoir si c'est une chaîne de caractères vide ou pas. Donc l'idée du record, c'est celle-là, c'est de se dire, bah, on va se doter d'une espèce d'un nouveau type de classe dans le langage, parce que malgré tout, ça reste une classe. Mm-hmm. Cette classe, ça va être finale. Et je vais juste spécifier cette classe avec la déclaration de ce qui pourrait ressembler à un constructeur. Donc record point, et puis dedans, je déclare deux champs, int x et int y, qui sont les coordonnées de ce point en cartésien, évidemment. Là, je les ai notés finales, ces champs, avec le mot-clé final. Et donc ça va générer un état immutable à l'intérieur du record. Je ne suis pas obligé de le faire. Je peux aussi ne pas mettre final dans la déclaration de ce constructeur. Et ça sera mutable. Ce sera mutable. Mais par contre, je n'aurai pas les setters. Il faudra que je mette les setters moi-même à l'intérieur de la classe. Donc, c'est quelque chose d'important. Si Java était refait maintenant, on le ferait dans l'autre sens. On dirait qu'il faut mettre le mot-clé mut. Et puis ça devient mutable. Mais on ne va pas dire... juste pour les records, ça fonctionne à l'inverse de tout le reste du langage. D'accord ? Parce que peut-être que pour vous, qui connaissez Java avant et Java après les records, ça fera sens. Mais pour tous les nouveaux qui arrivent, ça ne fera pas de sens de rajouter quelque chose qui ne marche pas par rapport à tout le reste. Donc c'est un des problèmes quand on rajoute des features en Java. On ne peut pas se dire « je rajoute une feature et elle va jouer complètement à l'inverse de tous les autres trucs ». Ce qui fait qu'on aura toujours des nouveaux langages, même des qui marchent sur la machine virtuelle Java, qui auront des meilleures valeurs par défaut au niveau des features ouais. que Java. Dans ce record, je vais avoir également la génération automatique des méthodes dont j'ai besoin sur bin, à savoir equals, hcode, toString, extractor. Ce n'est pas moi qui vais les écrire, ça va être généré directement... avec le record, en fait, avec la phase de génération du record. Donc déjà, ça va me simplifier la vie. Et vous voyez que les getters, ils ont un peu changé de tête. C'est plus get quelque chose, c'est juste le nom du champ que j'ai spécifié, suivi du d'ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Est-ce que tu sais pourquoi? De quoi donc? Pourquoi c'est pas getx? C'est parce que c'est plus simple de le faire comme ça. Parce qu'on pourrait générer getx, mais c'est chiant, quand on va écrire les trucs, il faut écrire getx. Donc après, on a la solution de dire, bah, c'est pas grave, on va dire, quand j'accède... comme un champ, ça va appeler une méthode et ce genre de choses-là. Sauf que les champs et les méthodes, ils n'ont pas du tout les mêmes propriétés en Java. Clairement. Donc une des façons de résoudre le problème, c'est de ne pas mettre un get devant. Comme ça, les gens, ils devront écrire x parenthèse,
mais ça reste une écriture qui est relativement lisible. Alors, à noter, si vous regardez des docs ou des présentations un petit peu anciennes, c'est-à-dire qu'en quelques semaines ou quelques mois, le record, il s'appelait Datum avant. Et puis avant, il s'appelait encore... Et il s'appelait Data avant. Ouais, il s'appelait Data avant. Mais c'est de la même chose qu'on parle. Je peux rajouter des champs dans mon truc. Pardon, je peux rajouter des méthodes dans un record. Par exemple, si j'ai un record circle, donc un cercle qui est défini par sa position, donc j'ai besoin de lui donner un point. Et puis j'ai besoin de lui donner un rayon, forcément, ce cercle. Je peux définir une méthode surface dedans, avec en lui donnant du code. Okay, donc là, PR2, évidemment. Enfin, sauf si je veux le calculer de façon fausse, ce qui est possible aussi, mais je n'ai pas envie de le faire. Donc je peux aussi rajouter des méthodes à l'intérieur de ce record, normalement, exactement comme je le ferais en fait, dans n'importe quelle classe. Et on ne peut pas rajouter de champ. Voilà. Et on ne peut pas rajouter de champ, parce que les champs ils sont définis dans le constructeur, précisément. Ça n'aurait pas de sens de rajouter de champ. Et le equal, c'est les hashcodes seront faux. En plus. Donc on va éviter que les gens... On va éviter de fournir une feature pour que les gens... Il l'utilise mal. On va essayer. Et puis je peux faire également, alors ce que je peux faire dans les bins, mais de façon purement manuelle, là je peux en fait préciser une espèce de constructeur dont l'unique but est de faire de la validation sur les éléments que je lui passe, sur les objets que je lui passe ou sur les valeurs par défaut, sur les valeurs primitives que je lui passe. Donc là, j'ai deux lignes de validation en fait sur le centre du point. Je veux pas qu'il soit nul. Je veux pas que le point qui fasse le centre du cercle soit nul. Et puis je veux bien sûr que le rayon soit positif. C'est censé être une distance, donc une distance c'est toujours positif. Et puis là, avec le default center radius, ça c'est une nouvelle syntaxe. On l'a pas dans le default. Il avait que deux. Bah, il avait déjà rajouté un truc. Il y a dans les switches. À l'origine, c'était juste dans les switches. Et pour les méthodes par défaut. Et pour les méthodes par défaut, donc. Ça fait un troisième truc. Ça manquait. Voilà. Chaque nouvelle version de Java, nouvelle utilisation de default. C'est ça. On est pauvre en mots-clés, donc il faut les réutiliser. Ça permet d'éviter de faire échouer le code qui utilisait enum, par exemple, alors que ce n'était pas un mot des clés du langage. Ça rappellera sûrement des souvenirs à certains. À noter que default, c'est un appel de constructeur qui n'est pas la première instruction du constructeur dans lequel je suis. Ce qui n'était pas le cas avant. Puisque avant, je pouvais faire this pour appeler un autre constructeur de la classe dans laquelle j'étais, ou super pour appeler explicitement un super constructeur de la classe que j'étendais. Mais c'était nécessairement la première instruction du code du constructeur de la classe que j'étais en train d'écrire. Donc ça, c'est un des trucs qui était bizarre. En bytecode, il n'y a pas de raison. Ça marche si on met des méthodes avant. Mais en Java, il fallait que ça soit le premier truc. Donc là, maintenant, je vais pouvoir faire des trucs avant. Alors bien sûr, il ne faut pas utiliser this. Ça ne va pas marcher. Bah, this, ouais. This dans un constructeur, je suis en train d'exposer un objet qui est en train de se construire. Donc c'est bien si je veux vraiment corrompre toute mon application sans le voir. C'est un bon moyen de le faire. Tu veux dire démarrer une thread dans ton constructeur? Par exemple. Ou lancer des initialiseurs statiques, par exemple. Il y a un joli puzzler dans le bouquin de Josh Block qui porte là-dessus. Voilà. Donc là, on utilise un nouvel objet précondition, qui est une classe factory, en fait, avec des bah voilà, requires non nul, requires positive. Celle-là, on ne l'a pas encore, cette classe précondition. Ouais. Elle est en train de se créer. OK. On n'a pas de setter, comme je vous disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que si je ne mets pas mes mots-clés final, dans le constructeur, les champs que je vais... que je vais créer seront pas déclarés comme étant final dans cette classe qui va être générée. Et donc, éventuellement, je pourrais les muter, ce qui n'est probablement pas une bonne idée. Mais j'imagine qu'il y a des use cases pour lesquels c'est indispensable. T'en as plein, si tu veux mapper à une base de données, ce genre de choses-là, des trucs qui sont mutables. Mais les constructeurs ne sont pas générés automatiquement. Pourquoi? Parce que dans les constructeurs, il faut aussi mettre des préconditions. Ouais. Et si on décide de mettre les préconditions... Si un utilisateur il met des préconditions dans son constructeur, il va aussi mettre les préconditions au niveau des setters. Ouais. Donc ça veut dire que globalement, le compilateur ne sait pas générer les setters. Enfin, il peut générer des faux, mais dès qu'il ne marche pas. Mais techniquement, on ne peut pas générer des setters. Ouais. Et ça veut dire aussi qu'on aura des jolis bugs si les gens qui écrivent le code génèrent des conditions de mutation de l'état d'un record qui ne soient pas compatibles avec celles qui se trouvent dans le constructeur, vu qu'en fait, là, il n'y aura pas de filet pour faire ce genre de choses. On va sortir des patterns pour le faire. OK. Comment est-ce que ces records se translatent, comment tu as dit, se traduisent? Traduisent. Se compilent. Non, c'est pas vraiment de la compilation. Bref, comment est-ce qu'ils se transforment en bytecode? Magiquement.
En fait, le code du record n'est pas généré par le compilateur, mais avec l'utilisation d'invoke dynamique. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas le code de toString dans toString. Voilà. L'idée, c'est une fois qu'on a un extracteur, c'est-à-dire qu'on a indiqué comment on était capable d'extraire les composants des valeurs pour n'importe quelle méthode, on peut s'en servir pour générer le toString, on peut s'en servir pour générer le equals, et ainsi de suite. Le gros intérêt de les générer dynamiquement, c'est... Enfin, il y en a plusieurs, il y en a même pas mal, mais le gros intérêt, c'est qu'on peut regarder comment le code s'exécute et changer le code à la volée. Je ne sais pas si vous regardez un peu les perfs de vos equals, mais c'est pas rare qu'on échange deux trucs à l'intérieur d'un equal, c'est que tout d'un coup le code va beaucoup plus vite. Si le compilateur il génère le code, on ne peut plus changer les deux branches de notre truc. Donc ça va être à la VM de le faire. C'est à la VM de regarder comment le code s'exécute et changer les branches directement. D'accord ? Donc c'est pour ça que c'est à la VM de générer le code. D'accord, donc l'extracteur est défini sous forme de constante dynamique, donc c'est pareil. Il sera calculé de façon lazy. Si vous appelez jamais equals, vous ne paierez pas le coût de l'extracteur. L'idée du equals, c'est d'être capable de regarder les fréquences des branches if-else et de le balancer exactement comme il faut. D'accord. L'autre chose, c'est equals et hashcode, si on regarde... Dans les trucs qui sont générés, si vous utilisez votre IDE et que vous générez les choses, il y a de grandes chances qu'il vous génère des tests à nul dedans, parce qu'il ne sait pas si un truc peut être nul ou pas. D'accord ? Donc ça, c'est aussi quelque chose que la VM, elle sait faire très très bien. On ne met pas de check à nul, parce qu'en règle générale, qui va mettre nul dans le truc. Et puis si jamais ça plante, on revient et on change le code. Et là, on a le check à nul le plus rapide du monde. Quand c'est pas nul. D'accord ? Donc typiquement, c'est pareil, c'est une des raisons pour lesquelles on va utiliser une invoke dynamique pour equals et hashcode. Évitez de faire les checks à nul si jamais on n'en a pas besoin. Tu veux que je dise quelque chose ? C'était pas à toi de parler. Donc sinon, effectivement, l'extracteur... finalement, notre extracteur, notre méthode extracteur, là, on vient de voir qu'on va l'utiliser pour toString, equals et hashcode, d'accord, pour générer dynamiquement le code de toString, equals et hashcode. Donc de la même façon, on peut l'exporter, et ça c'est extrêmement intéressant le fait que ça soit exporté. Ça veut dire maintenant que n'importe quelle librairie, votre truc qui... génère du JSON, votre truc qui fait je sais pas quoi, le mapping en base de données, il peut regarder si j'ai un extracteur. Notez qu'on a même un bit, on a même un flag particulier qui s'appelle extractor. C'est-à-dire on peut même chercher dans les méthodes est-ce que j'ai des extracteurs, parce qu'on peut, techniquement on pourrait en avoir plusieurs. Et donc ça veut dire que on offre la possibilité à n'importe quelle librairie à fournir automatiquement les trucs de sérialisation, désérialisation dans n'importe quel format. Le but de la librairie. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on fournit, avec l'extracteur, une vision du code. C'est des méthodes handle, hein, les bus de point de point wait. C'est des méthodes handle. Ouais. Et les méthodes handle, on peut les utiliser indépendamment pour invoquer des méthodes et pour aller lire des champs également. C'est ça. C'est ça, c'est comme si tu exportais des getters en fait. Ça revient, c'est équivalent à exporter des getters. Avec le truc particulier, le gros problème d'exporter un getter, c'est que tu es obligé de le typer. Et donc dès que tu as des types primitifs ou des trucs comme ça, tu vas faire du boxing. L'intérêt des méthodes handle, c'est que c'est des trucs qui ne boxent pas. Donc en termes de performance, normalement tu es censé avoir au moins les mêmes performances que si tu écrivais le code à la main pour tous les types primitifs de tous les trucs.
Donc on peut se poser la question, mais est-ce que les records, ça ressemble pas un peu aux property d'il y a une dizaine d'années? C'est quel Rémi là? C'est toi là? Ouais, plus ou moins. On avait essayé de pousser très fort. Notez que c'est il y a 10 ans, si vous regardez il y a 10 ans, c'était pile le moment où Sun était en train de mourir et Oracle était en train de venir. L'idée c'était de pousser la proposition de telle façon à ce que Oracle, quand il vienne, il croit que Sun voulait faire ça. Ça n'a pas bien marché en fait. C'était le plan diabolique. Techniquement, entre les records et les properties, on a quand même une différence. C'est que si on regarde actuellement, l'extracteur fournit qu'une version read-only des choses. Et pas une version read-write des choses. C'est ça la principale différence. C'est la principale différence qu'on peut avoir entre un bin et des records, de façon générale. C'est que si on regarde, ce que ça nous offre, c'est purement read-only. Et ça, ça complète notre joli schéma, ça. Exactement. Pourquoi diantre, en Java 11, on a rajouté Combi? Tout s'explique. Peut-être parce que, justement, en Java 12 et en Java 13, on va rajouter des switches qui utilisent Combi. Alors pourquoi mettre Combi en Java 11 et pas en Java 12? À quoi ils avaient servi en Java 11? Parce que quand tu introduis un truc dans la VM, en règle générale, tu fais plein de tests et tu veux surtout pas que les utilisateurs en Java ils fassent aussi des tests. Tu le fais pas au même moment, en règle générale. Le truc, c'est se laisser le temps de, s'il y a jamais quelque chose qui fonctionne pas bien, permettre. Un des trucs qu'on peut citer, par exemple, c'est qu'est-ce qui se passe si je crée un Combi qui, lui-même, dans ses constantes pour être créé, se réutilise lui-même. Ou ce genre de choses-là. Petite boucle d'appel, tu veux dire? Une boucle d'appel, mais dans les constantes. Techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de ton pool de constantes de ton point classe, d'accord, tu peux écrire un langage Turing complete directement dans les constantes. Ouais, on vient de voir qu'on a la récursivité. Donc si tu prends un Lisp, tu peux le mettre que dans les constantes et avoir juste un main qui appelle juste, fait juste l'autre constante et puis c'est tout. Ouais. Tout le reste est calculé. Bon, ça va faire des gros points classe, mais... Ok. Il nous reste encore un petit peu de place là dans le bar, donc on va avoir encore le temps de passer en Java 14. Et là, c'était le plan diabolique de domination de l'univers, mais là, on rentre carrément dans la cinquième dimension. Je ne sais plus comment il s'appelle ce personnage dans Full Throttle. C'est pas Adam, non? Celui qui parle beaucoup, là. Je ne sais plus, je ne suis plus sûr. Donc, 14, il nous reste encore trois choses à voir. Les interfaces scellées, fermées. Ouais, sealed interface, fermées. Encore un peu de pattern matching et des value types. Ouais, super. Trop top. Alors, il y a un dernier truc qu'on voudrait voir sur le switch, c'est qu'en fait, quand je design mon système, tiens, c'est marrant, maintenant, c'est le bus, il implémente véhicule. Là. Il y a un depuis. Ouais, super. Donc, j'ai trois implémentations de mon interface véhicule, bus, car et bike. Et en fait, je sais que j'en ai pas d'autres. Par construction de mon système, il est simple. Voilà, j'ai que trois classes dans mon modèle. Et puis, j'ai trois implémentations de ce truc-là. J'ai fait des records, donc j'ai tout bien comme il faut. Mais par contre, quelle que soit la syntaxe que j'ai dans le switch, avec les deux petits points, avec la flèche, avec le break ou quoi, n'importe quelle syntaxe que j'ai, je me retrouve toujours avec cette clause default que je suis obligé d'ajouter, alors que je sais très bien que cette clause default, en fait, elle ne va jamais être appelée, essentiellement. Ou alors j'ai un gros problème. Par construction de mon code, la clause default, elle n'est jamais appelée. Et très souvent dans les switches, je suis obligé de faire ça. Et puis, comme j'essaie de suivre les patterns, je mets un truc qui va me jeter une exception. Alors, il vaut mieux qu'elle soit runtime, parce que sinon, ça va, une ça erreur, va merder c'est bien. Au niveau de mon truc. Ou une insertion erreur. Quoi. Bref, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, je voudrais retirer ce machin-là. En fait, ce que je voudrais pouvoir dire, c'est à la fois au compilateur et à la VM, que je n'ai que ces trois implémentations de véhicules et que j'en ai pas d'autres. Parce que tu crois que... Même si le compilateur y te croit, tu crois que la VM, elle va croire le compilateur? Non, la VM ne va pas croire, mais moi, je parle pas assez peu à la VM. Déjà, le compilateur, je limite au maximum. Donc, j'essaie de mettre un IDE entre lui et moi. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est de se dire, OK, on va créer des interfaces fermées. Et puis, dans la déclaration de l'interface, techniquement, c'est assez pratique. Parce que l'interface, en fait, elle va utiliser les nestmates.
Donc dans la déclaration de cette interface fermée, je vais mettre les classes qui peuvent implémenter. Je vais mettre l'ensemble des classes qui peuvent implémenter cette interface. Et là, en l'occurrence, il se trouve que c'est des records. Et vous rappelez les nestmate, dans la classe englobante, donc ici ce serait dans l'interface fermée, j'ai en fait un champ qui dit bah voilà la liste des classes ou des types englobés, en quelque sorte. Et dans chaque type englobé, j'ai également une référence vers la classe englobante. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, le compilateur, il sait, enfin le compilateur, il le sait parce qu'il voit le code source, mais ça veut dire que la VM, elle peut voir aussi que l'interface n'a que ces trois implémentations et qu'il n'y en a pas d'autres. Et ça veut dire aussi que si dans un autre jar ou dans un truc comme ça, je veux m'amuser à rajouter quelque chose qui n'a pas été compilé avec, mais qui va implémenter cette interface, bah ça permet de le détecter dès le lancement de l'application ou dès le chargement de cette classe, et donc de dire, ah mais non, cette classe, en fait, elle déclare qu'elle implémente cette interface, mais en fait, ce n'est pas vrai, c'est rien qu'une tricheuse. Ouais. Tu es en train de rajouter des types algébriques, en fait. Ouais, et alors? Donc ça, c'est ce machin-là. Alors, est-ce que c'est super pratique de le mettre dans l'interface, dans le code de l'interface? Moi, je ne suis pas absolument convaincu. Peut-être le mettre dans le package ou dans le module ou dans un module particulier. Le problème de le mettre dans une autre classe, c'est qu'après, il y a le problème de la compilation séparée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je compile un truc et que je compile pas les autres? Ou qu'est-ce qui se passe si je recompile un bout alors que... Mais comme on interdit les split packages maintenant avec les modules, peut-être que c'est jouable. Ça n'empêche que tu peux compiler ton truc en plusieurs fois. Ouais, c'est vrai. Même si tu interdis. Mmh. Malgré tout, si j'ai vraiment 40 classes qui implémentent cette interface, je me vois mal faire une interface fermée avec mes 40 sous-types à l'intérieur. Bon, t'as 40 fichiers, sinon c'est pas. T'as 40 trucs, t'en as beaucoup. C'est vrai, moi aussi. Donc maintenant, le compilateur, il sait que, en fait, pour véhicule, qui est une interface, je n'ai que trois implémentations, qui sont bike, car et bus. Et donc, si je n'y mets pas le default, et à condition que je le sous-doie un petit peu, gentiment, que je lui graisse la patte, bah, il ne va pas râler quand il ne va pas avoir de default. Et puis, comme cette information-là, elle est également disponible au runtime, bah, la VM, elle est aussi au courant, quand elle va regarder le switch sur ce truc de véhicule, que tous les cases sont bien remplis dans ce truc-là. À noter que sur cette façon d'écrire le switch, j'ai une espèce de mix déjà de tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire que je fais un return du switch directement, donc ce switch c'est devenu une espèce de fonction qui me retourne une valeur, j'ai viré le default parce que voilà, j'en avais marre, j'utilise car var de passenger, donc ça c'est la déclaration du déconstructeur, derrière j'ai 42 plus passenger, j'ai pas 42 plus car.passengers, donc j'exploite également la possibilité d'avoir un déconstructeur, et dans la classe bus qui se trouve ici, je fais la même chose et en plus j'utilise le mot-clé var qui me permet en fait de faire l'inférence de type. Donc le compilateur sait que passenger c'est un entier et que wait et will ce sont des entiers aussi. Donc là sur ce code-là, j'utilise en fait tout un tas d'éléments qu'on a vu depuis le début de cette présentation assemblés dans trois lignes. En fait, remplacer int par var, ça change pas grand-chose ici. Là, c'était pas très très dur, mais pour une liste de machins, de trucs, effectivement. Ouais. Ça bah et puis tout à l'heure, là, pour le circle, je vais pouvoir mettre le point, je vais pouvoir le mettre dans un var également et le déconstruire aussi. Je crois que c'est l'exemple suivant. Voilà. Donc, comment est-ce que la VM sait que le switch est exhaustif? Bah, tout simplement pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que comme les sous-types sont en fait vus comme des nestmates, j'ai cette espèce de relation bidirectionnelle entre l'interface et ses implémentations. Donc je sais que mon graphe, il est complet. Et donc le compilateur, il peut savoir que le switch, il est complet également. Et donc ça veut dire que si jamais on crée une classe qui implémente l'interface en dehors de ce truc-là, elle sera rejetée par la VM au moment du chargement. Ouais. Directement. Absolument. Et donc ça, on n'est pas obligé. Ça veut dire que techniquement, dans le code généré assembleur, il n'y a pas de default. Il n'y a vraiment pas de default, il n'y en a pas besoin. C'est pas juste un sucre syntaxique. Ok, alors, au niveau du pattern matching généralisé, ça c'est l'exemple avec les cercles et avec le rectangle qu'on avait tout à l'heure. Donc on admet qu'il y ait des constantes dedans, okay. On va extraire les valeurs des différents objets qu'on manipule avec ces principes de déconstruction qu'on a créé, et puis on va rajouter l'opérateur, enfin le truc là, qui était autorisé dans les noms de champs jusque je ne sais plus quelle version de Java 8, et ouais, puis qui était interdit, l'underscore. Voilà. En fait, l'underscore, maintenant, je peux l'utiliser en tant que paramètre, bah, ici dans les déconstructeurs, mais également dans les paramètres de lambda, pour dire ce paramètre-là, en fait, je ne lui donne pas de nom,
je vais pas l'utiliser dans le dans l'implémentation de la lambda, donc je me fiche de savoir qui il est. C'est vrai qu'on n'a pas ça en Java, il n'y a pas le unused. On n'a pas moyen de dire ce truc-là, il est là parce que la signature doit être celle-là, mais finalement, ça ne m'intéresse pas. Donc vous voyez, là, par exemple, dans le, quand je calcule la surface, ça c'est un calcul de surface, ce n'est pas écrit, mais je pense que ça, ça apparaît clairement, bah, le, la surface d'un cercle elle dépend évidemment pas de la position du cercle dans le plan. Donc je n'ai pas besoin du point, donc je mets juste un underscore dessus, et le truc c'est pi r2. Et puis le rectangle, bah, lui, il prend deux points, et vous voyez que là, j'ai une déconstruction qui appelle une déconstruction. C'est-à-dire que je sais que mon point, c'est un record qui prend deux intes, x et y, okay, et je sais que mon rectangle, il est défini par la position de deux points dans le plan, celui qui est en haut à gauche et celui qui est en bas à droite. Donc je dis, bah, mon rectangle, le déconstructeur de rectangle, il prend deux points, et chacun de ces points, par déconstruction, retourne également deux entiers, x1, y1, x2, y2. Donc je peux aussi imbriquer les déconstructions les unes dans les autres pour au final calculer la surface, et je crois qu'on ne s'est pas gouré. Et donc, c'est cool. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Si on regarde, je ne sais pas si vous voyez que c'est plus compliqué parce qu'en fait, on est en train de faire matching, déconstruction, matching. Et matching à nouveau, oui. Donc on est en train d'entrelacer les matchings et les déconstructions. Jusqu'avant, on avait juste matching plus déconstruction. Et là, on commence à combiner les deux. Enfin, faire un truc qui peut... Je pense que ça peut donner du code totalement illisible. C'est quand même un truc à pas négliger. Ouais. Le Valhalla. Donc on vous parle un petit peu de l'autre projet. Alors techniquement, il y a quatre projets. Mais oui, il y en a deux autres. Il y a Panama, Panama et Loom. Et Loom, c'est ça. Qu'on n'a pas truc. Enfin, dont on a pas. C'est des trucs qui sont un petit peu plus loin. Enfin, Panama, il y a des choses qui vont arriver là, mais ça ne nous intéressait pas. Valhalla, ça va nous amener donc un nouveau truc qu'on appelle les value types. Attends, faut revenir. Faut expliquer pourquoi Valhalla. Ah bah alors vas-y. Basiquement, Valhalla, c'est l'endroit où vont les guerriers une fois qu'ils sont morts. Donc c'est censé être le dernier projet de Java. Après, Java est terminé. C'est ça la raison ? Ouais. Mais c'est idiot. pense que la personne qui a nommé Valhalla, il s'appelle John Rose, donc c'est le grand chef de la machine virtuelle. Je simplifie, mais c'est basiquement ça. Ouais. D'accord. Qui doit... Je pense qu'il a une dizaine d'années plus que moi. Peut-être 15 de plus que moi. Il est super vieux, alors il est plus jeune que moi. En fait. Il est super vieux, donc c'est logique. Quelqu'un a compris la logique, franchement. Okay. Donc en fait, le problème, l'origine du problème, elle est dans la façon dont le code est exécuté en assembleur au niveau des CPU. Tant qu'on était sur des processeurs monocœur, sans cache, avec un accès mémoire qui était super rapide. Très très lent. Ou très très lent, peu importe, à la même vitesse, en fait, voilà, à vitesse constante. Tout allait bien et on n'avait pas vraiment, on se fichait un peu en fait, de la façon dont les objets étaient mappés dans la mémoire parce qu'on allait chercher les objets de toute façon à vitesse constante dedans. Aujourd'hui, en fait, quand on regarde la vitesse d'accès à la mémoire du point de vue du CPU, elle est quasiment constante depuis le milieu des années. Depuis la fin des années 80, quasiment. C'est-à-dire que le temps d'accès sur la RAM, c'est 65 nanosecondes, et ça n'a quasiment pas bougé. Par contre, ce qui a beaucoup bougé, c'est la capacité à charger des données dans la mémoire interne du processeur, c'est-à-dire dans ces niveaux de cache, vous savez, L1, L2, L3, éventuellement L4, qui s'empilent. Pardon ? L4, c'était riche. Oui, L4, c'était très riche. Et l'accès à ces caches, eux, notamment le L1, se font à vitesse du processeur. Donc là, ça ne bouge plus depuis, grosso modo, 2006-2007, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même beaucoup plus rapide que le temps d'accès de 65 nanosecondes, qui est l'accès à la RAM. On a maintenant en fait quasiment un facteur 100 entre le temps d'accès au cache et le temps d'accès à la mémoire. Et c'est grosso modo, parce que moi, c'est plutôt 300 que 100 sur ma machine. Enfin, après, ça dépend d'autres choses également. Donc en fait, l'idée, et ça, c'est connu depuis longtemps, c'est de se dire, si on veut aller vite, il faut vite charger les données sur lesquelles on veut travailler dans le cache, et maintenir le cache alimenté en données au fur et à mesure que l'algorithme avance. C'est essentiellement la raison pour laquelle les traitements sur des ArrayList sont plus rapides que les linked lists, où les données sont éparpillées partout dans la mémoire. À chaque fois en fait, que le CPU, et là je suis vraiment à l'intérieur du CPU, c'est même l'UAL, essaie d'accéder à une donnée, que cette donnée n'est pas dans le cache, il faut aller la chercher dans la mémoire, et ça c'est un surcoût qui est absolument énorme,
par rapport à la vitesse de l'algorithme qui s'exécute. Enfin, tu peux continuer à exécuter le code et c'est pour ça que tu as Spectre ou des trucs comme ça. Tu peux continuer à exécuter du code qui n'est pas celui auquel tu penses. Auquel tu as droit, exactement. Ouais. Et ça, c'est effectivement un petit peu moins cool. C'est pas ce que tu veux faire. Enfin, si tu es mal intentionné, oui, mais pas autrement. Donc l'idée, c'est de se dire, on essaie de maintenir ce cache alimenté en fait en données le plus possible. Et pour ça, il faut que l'installation des données dans la mémoire suive un certain nombre de règles et notamment soit placée dans des zones contiguës. Un tableau, c'est quelque chose qui peut se transférer très rapidement de la mémoire centrale jusqu'au cache. Pourquoi ? Parce que c'est des zones contiguës de la mémoire. Et comme c'est des zones contiguës, le chargement va se faire en fait paquet par paquet au lieu de se faire entier par entier ou longue par longue. Ça va se faire paquet de longue par paquet de longue. C'est même pire que ça. Il se dit quand tu es en train de parcourir le truc que tu vas avoir besoin des trucs d'après et il te les amène alors que tu n'as même pas demandé encore. Enfin, quand même, le bus il fait 64 longues. Donc c'est un peu ça qu'on veut arriver. Enfin, c'est ça l'objectif en fait des value types, c'est de pouvoir créer des données en mémoire qui sont des classes. Donc des classes, c'est des champs, c'est des pointeurs, c'est des choses comme ça. Mais garantir en fait que toutes ces données vont être mappées dans des zones contiguës de la mémoire pour pouvoir être rapatriées dans les caches le plus rapidement possible. On ne veut pas payer le coût d'accès à un pointeur en fait quand tu regardes. Oui, c'est ça. C'est le pointer chasing que tu ne veux pas faire. Yeah. Et du pointer chasing, dès l'instant qu'on travaille même sur des integers, par exemple, si vous avez une liste d'entiers, ça devient une liste d'integers. Integer, oui, mais integer en français, ça me va bien. On a des surcharges énormes du fait de la poursuite des pointeurs. Ça, c'est assez facile à voir avec des trucs comme JMH. Alors, ce value type, c'est quelque chose donc qui va juste transporter des valeurs et qu'on veut gérer exactement comme si c'était un int, c'est-à-dire un type primitif, une valeur. Donc, techniquement parlant, c'est peut-être un objet, ok. On va laisser le truc dans l'ombre pour l'instant. Mais cet objet-là, lui, ne va pas avoir d'identité propre. Donc ça veut dire que si vous voulez faire de la synchronisation sur cet objet, ou appeler la méthode wait, qui participe à la synchronisation, bah, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Pourquoi ? Ça n'aurait pas de sens de faire de la synchronisation sur un int, donc ça n'en aura pas plus de faire de la synchronisation sur un value type. C'est pareil, si on veut faire égal-égal entre deux value types, bah, il ne faut pas que ça compare les pointeurs, parce que les pointeurs, étant donné que cette notion va un peu disparaître quand on va parler de value type, ne doit pas fonctionner. Si les objets ne sont pas dans le tas, s'ils ne sont pas alloués... Et comme on ne sait pas où ils sont, et comme on ne veut pas savoir où ils sont, parce que c'est vraiment l'objectif, d'abstraire l'objet en tant que valeur, toutes ces choses qu'on peut faire sur les objets, bah, on ne peut plus les faire sur les value types. Donc notre value type de color, par exemple, non, c'est la première fois qu'on voit l'exemple, excusez-moi. Donc ça va devenir quelque chose comme ça, value class. Pour le coup, c'est un truc qui est immutable, parce que si on a 25 000 copies dans la mémoire de ce truc-là, bah, on ne peut plus le muter. Et puis on veut pouvoir le mettre un peu où on veut, dans des registres, dans des trucs comme ça. Donc il faut que ce soit immutable. Donc ce n'est pas comme les structs en C. Ouais. Ça veut dire que quand vous faites un appel de fonction, ça ne duplique pas. D'accord. Le but, c'est si on est dans le meilleur des mondes, tout est passé en registre. Et donc, on n'a pas de copie ou quoi que ce soit à faire. Ouais. Exactement. Comme pour les records, bah, on a des getters qui sont... Tu peux créer des value records, hein, si tu veux. Oui, c'est-à-dire, au lieu d'écrire value class, si tu écris value record, tu auras tous les trucs du record, c'est-à-dire la génération automatique des toString equal ch code, plus le fait que tes objets n'ont pas d'identité. Absolument. Et donc si je regarde un petit peu le layout en mémoire, ça c'est une instance de cet objet color. Donc j'ai un header dans cet objet avec le pointeur vers la classe, avec l'objet qui sert à la synchronisation avec différentes données. J'ai les différents champs de cet objet. Si c'est des ints, bah, c'est red, green, blue. J'ai toujours un petit overhead, ça c'est propre au processeur Intel, parce que les données doivent être alignées à 64 bits. Donc même si j'ai des... Si j'ai des trucs qui ne font pas 64 bits, bah, je paye un petit peu de place mémoire perdue. Ce n'est pas le cas pour tous les processeurs. Ça, c'est mon instance de couleur de cette classe color toute seule dans la mémoire. Mais dans la version avec référence, si je fais un tableau de color, en fait, ce que je récupère, c'est un tableau de pointeur. Et ce tableau de pointeur, il pointe vers des objets qui peuvent être répartis complètement aléatoirement dans la mémoire. Okay. Et donc, pour charger, si j'ai un traitement à faire sur ces objets couleurs, bah, ça veut dire que ces objets couleurs, je vais probablement les charger un par un, étant donné qu'il va falloir que j'aille les chercher individuellement, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.
L'idée avec les value types, c'est de se dire, si je crée un tableau de value type, j'ai un tableau un peu à la sauce des structs du C quand même, ça ressemble un petit peu à ça, même si c'est juste une ressemblance, c'est-à-dire que j'ai plus de pointeurs et j'ai la garantie que toutes ces instances de couleurs sont bien rangées dans des zones contiguës de la mémoire. De sorte que si je vais charger ça de la mémoire centrale vers le cache de mon processeur, bah, ce chargement se fasse le plus rapidement possible, enfin se fasse rapidement, et donc que je ne perde pas de temps à précisément attendre le chargement des données quand je vais dérouler des algorithmes sur cet objet qui porte des données. Donc c'est ça qu'on veut arriver à faire avec les value types. En termes de performance, donc ça c'est le bench que tu as fait, Rémi. Ouais. Peut-être tu peux le commenter. Donc en fait, actuellement, il y a deux prototypes pour les value types. Il y en a un qui marche, mais vous avez le droit d'utiliser les value types que si vous savez générer du bytecode. Et il y a le nouveau prototype qui va arriver où là, il y aura le support dans Java C. D'accord. Donc actuellement, j'ai fait un outil qui prend le bytecode normal et qui retransforme ça en bytecode qui est compris par les value types. Donc l'idée, c'est simple, c'est j'ai juste un tableau d'un million de couleurs et je crée chaque couleur en disant l'index du rouge, du vert et du bleu, c'est le i de ma boucle d'éléments. Donc je le fais une fois avec le JDK 10 et une fois avec le JDK 10 et les patchs pour les value types. Et donc on voit que même quand on crée des objets, donc juste la partie création en fait, le fait d'utiliser des value types fait que les choses vont plus vite. Tout simplement parce qu'on alloue une seule fois et on n'a pas besoin d'allouer plein de petites fois les données. Un facteur 3, ça paraît même pas beaucoup d'ailleurs comme gain en performance, je trouve. 3 ou 2. J'ai lancé ça 3. Sur ma machine. L'autre chose, c'est qu'est-ce qui se passe si jamais je parcours, donc là je fais juste un calcul qui fait la somme de toutes les couleurs, ou la moyenne, je me souviens plus exactement. Donc comment ça marche? Et effectivement, on a exactement la même chose, on voit qu'en fait on réduit le trafic avec la mémoire. Tout à fait. Alors ça va être assez joyeux, parce qu'il y a des choses, je vais le montrer dans le... Je vais prendre juste 2 minutes, Oul. Pour le montrer dans IntelliJ. Donc là, je suis dans IntelliJ, hein, ici, et je vais vous montrer la classe optionnelle. Je vais juste vous montrer un truc sur la classe optionnelle, qui est... Peut-être si je le montre comme ça. Non, c'est trop petit, là. Où est-ce que c'est écrit que c'est un... que c'est une value-based class? This is... Voilà, c'est ici. Voilà, merci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici dans la Javadoc? Il y a écrit que optional, voilà, j'ai le même milieu, que optional c'est une value-based class, c'est-à-dire quelque chose qui à terme est candidat pour devenir un value type. C'est ça, optional aura plus d'identité, ouais. Et on ne payera pas le coût de wrapper un optional. Exactement. Ça veut dire qu'on aura l'abstraction sans le coût de l'abstraction. Exactement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que dans le code que j'écris, il ne faut pas que je fasse parce que éventuellement, c'est des choses qui vont se mettre à échouer quand on aura effectivement les value types et quand ils fonctionneront effectivement. Et si je regarde le code qui est écrit ici, bravo, qui est là, vous voyez, ça c'est quoi? C'est du code de Spring, c'est ça? Spring Core. C'est ça, c'est dans les tests de Spring. C'est dans les tests de Spring. J'ai assert same, donc un égal entre optional.empty et la conversion de cet objet-là, valueOf qui retourne un optional. Donc j'ai un égal-égal sur optional.empty. Si optional devient valueType, ça renverra false. Voilà. Et ça, ce n'est pas une bonne idée du tout, parce que ça veut dire que ce égal-égal va échouer si le jour optional devient valueType. Si ce jour arrive, mais on peut penser qu'il va arriver. L'autre solution, c'est peut-être optional deviendra jamais un value type. Bah, s'il y a beaucoup de choses comme ça, la vraie raison pour laquelle on a toujours les rasures en Java, c'est que les gens ils ont commencé à faire des castes à la con. Si maintenant on met les types réifiés en Java, il n'y a pas un programme qui tourne. Parce que les gens ils ont mis des castes à la con. Ouais. Donc on peut avoir exactement le même problème ici. Avec optional. Voilà. Et ça nous donne... alors ça, il y a 14 plus, mais il y a un plus et même peut-être un plus hein, sur ce truc-là. Ce qui va arriver en tout cas après 13. 13, c'est pas pour dans des années. 13, c'est pour dans un an et demi. Mm. Okay, c'est septembre 2019. 12, c'est pour dans un an. Hein. Je rappelle,
c'est plus 7 ans par version majeure, c'est 6 mois. Donc ça va beaucoup plus vite qu'avant. Et donc ça fait un joli programme de travail pour les gens qui travaillent sur le truc, et puis un joli programme de choses qui vont arriver, enfin qui sont censées arriver dans les versions futures de Java. Voilà. Et c'est tout ? Et c'est tout. Il me semble que c'est tout. Est-ce qu'on a du temps pour des questions ? Ouais, on a du temps pour des questions. On va prendre le temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions ? Vu que t'as mis le dessin là, ça m'étonnerait qu'ils en aient. Qui a des questions ? Tiens, remets ton pantalon, Rémi, pendant que je regarde les questions. Alors, j'avais promis de regarder le truc. Peut-on assigner un autre type d'objet dans... Ah zut, elle est partie. Dans un var plus tard dans la méthode ? Un autre type ? Non. Non. Tu veux dire non. si t'écris var s égale et une string, voilà, et qu'après tu fais s égale 3, bah non, ça ne marchera pas. Ça ne va pas marcher, ça. Enfin, des value types en Java, ça fait seulement 20 ans qu'on attend ça. Non, le projet a démarré à 5 ans, c'est non, pas alors, vrai. C'est un peu exagéré, parce qu'à 20 ans, on attendait surtout Java, en fait, hein, en tant que tel. Avec les styles d'interface, va-t-on empêcher la création de mocks sur ces interfaces? Arrêtez de faire des mocks, ça fait chier tout le monde. Comment il va, lui? Non, non, mais sans rire, Si vous... Non, c'est pas vrai. Faites des mocks, mais utilisez des agents. Parce que les agents, ils passent avant la VM. Donc vous pouvez changer le code avant que la VM le voit. Mais faire des mocks à runtime, une fois que les trucs ont été vus par la VM, c'est compliqué. D'accord ? Normalement, le but des tests, c'est que les tests ils soient simples. Comme ça, on sait si c'est le test qui est faux ou si c'est le code qui est faux. Quand on commence à utiliser des mocks, bah mon test il est plus simple et j'ai plus cette propriété là. Ça se trouve c'est ma librairie de mock qui a un problème. Oui, ça c'est. Avec les raw strings, quel est le caractère de saut de ligne anti slash n, les deux ou la réponse D? Anti slash n. Même en PHP ils l'ont eu bon en mettant anti slash n. Oui, alors ça je peux dire que ça marche pas sur la version que j'ai aujourd'hui hein, de anti slash n parce que j'ai essayé. C'est anti slash n. Oui, mais je pense que ça ne doit pas bien marcher. Non, non, c'est anti slash n. Ah bon, on va regarder. Parce que j'ai voulu la faire, la démo avec anti-slash n, j'ai répété avant. Parce que comment bon. Ça Ah non, si tu écris anti-slash n. Non, non, si tu mets un retour chariot. Si non, tu mets un retour chariot, c'est anti-slash n. Comme tu as envie de le faire. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions sur Twitter? Non, on a été super clair. Quelle est la différence de couleur entre OpenJDK? Non, ça, on a déjà répondu à ça. On sent une certaine inspiration de Scala dans les prochaines versions de Java, je me trompe. Il fallait bien un petit troll sur Scala, hein. Ça c'était obligatoire. Mais non, pas du tout. Okay. Bien sûr. Combien je veux de... dire, il y a des bonnes idées partout, pourquoi elle n'a pas les viguées ? Combien de verres pour le mec qui a pensé au var ? Je n'ai pas compris la question. La personne qui a posé la question est dans la salle ? Ah, j'ai coincé ma lunette. Il est pas. Bon. Se cache. Je ne sais pas. Deux, moi je réponds deux. Deux. C'est bien deux. Ouais, deux, ça te va ? Ok, deux. D'autres questions ? Ouais. Alors, j'essaye de résumer ta question. Ta question, c'est il y a plein de trucs dans Kotlin que j'aimerais avoir en Java. Est-ce qu'on va les avoir? Et la réponse, c'est oui, mais au compte-gouttes. D'accord. Voilà, il y a des millions d'utilisateurs. Et clairement, Kotlin ou Scala bouge beaucoup, beaucoup plus vite que Java. D'autres questions ? Est-ce que les styles d'interface servent à autre chose que enlever à faire des interfaces fermées, c'est-à-dire empêcher que tu puisses créer une classe toi-même ? Oui, tu peux toujours écrire ton default. Le truc, c'est que c'est un principe de design. Quand tu regardes, il y a des choses que tu veux étendre et des choses que tu ne veux pas étendre. Par défaut, en Java, l'idée, c'était tout le monde peut tout étendre. D'accord ? Et on se rend compte qu'il y a des fois où ça fait planter les programmes. Donc, basiquement, l'idée d'une SIL d'interface, c'est dire je réclame tous les sous-types possibles
de cette interface-là. Moi, je veux modéliser mon truc comme une interface. Peut-être même que l'interface sera visible à l'utilisateur, mais je ne veux pas que l'utilisateur il puisse me créer des sous-types sur ce truc-là. Donc, si tu veux, c'est un outil de design, tu n'as pas forcément besoin du switch pour l'avoir, qui est juste de dire, ce truc-là, ce n'est pas un truc qui est visible. Je ne veux pas qu'on puisse avoir un autre sous-type que ceux que j'ai prédéfinis, moi. Je veux dire, si par exemple, tu as un truc genre JSON, tu veux modéliser tous les trucs JSON que tu peux avoir, d'accord ? Tu ne veux pas qu'il y ait un couillon qui te rajoute une nouvelle classe, d'accord, dans tes valeurs. Oui. Non, c'est une classe. C'est pas un objet. C'est pas des objets. Il n'y a pas de référence. Ah, est-ce qu'on peut le voir dans l'autre sens? La réponse est oui, mais c'est compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir faire des listes d'int? Oui. Tout le monde veut ça. Non, non, moi ça m'est égal. Voilà, il y a deux questions qui sont en suspens. Où, les listes d'int, par exemple, c'est plus facile que dire je peux faire une liste d'integer, mais mon integer est un value type. Mm-hmm. Ça, c'est le truc le plus compliqué, en fait. Dernière question. On a droit à une dernière question, alors profitez-en. Quel est l'intérêt des var dans les paramètres des lambda, sachant que... Et à la il fait déjà l'inférence de type. Ah. Juste si tu veux mettre des annotations. Ouais. Juste ça. Ce qui est un peu vicieux. De mettre une annotation ? C'est un truc de lambda. Bah, y a des couillons qui utilisent un langage qui s'appelle Kotlin ou un truc comme ça, où on est obligé de mettre des nuls et des notes nulles. C'est pour satisfaire les gens qui font du Kotlin, qui continuent à faire du Java quand leur Kotlin ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent faire. Merci à tous.